Merci pour ces instants. Merci pour cette soirée. Merci, Seigneur Père, pour ce temps d'intercession. Seigneur, merci pour des Moïse qui se connectent. Merci pour tes fils et tes filles qui se connectent. Merci pour des filles et des fils du royaume qui se connectent. Seigneur, ta parole déclare où sera le corps, s'assembleront les aigles. Même ici sur Facebook, Père, il y a une assemblée des aigles, une assemblée des hommes des visions. Seigneur, nous vivons des temps où l'Église est persécutée. Seigneur, nous vivons des temps où l'Église est criblée injustement. Mais c'est dans ces temps où tu rassembleras les aigles. C'est un temps de rassemblement pour les aigles. Seigneur, merci pour les aigles qui se rassemblent ce soir. Merci pour les aigles d'Europe. Merci pour les aigles des Amériques. Merci pour les aigles, Seigneur Père, de l'Australie. Merci, Seigneur Père, pour les aigles de l'Afrique. Merci pour les aigles partout dans le monde entier, dans tous les continents. Merci, Seigneur, pour les aigles ici au Gabon. My God, nous avons besoin de toi. Ce soir, il y a un rassemblement angélique. Il y a un rassemblement des aigles. Seigneur, merci pour des aigles connectés partout dans les 9 provinces du Gabon. Merci pour des aigles connectés ici à l'Estuaire, Otogwe, Wayendogwe, Gounye, Nyanga, le Gwelolo, le Gwe Maritime, le Gwe Ivindo, le Wellington. Seigneur, merci, merci, merci Jésus. Viens, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Toi qui soumets, oh, en ta présence, toi qui es l'Éternel. Shalom, 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 très chers fidèles internautes, que la grâce de Dieu soit votre partage. Merci de vous connecter ce soir. 30 minutes de retard, mais gloire soit rendue à Dieu que nous soyons là nombreux pour ce live spécial
Nous sommes à notre deuxième plénière des prières d'intercession familiale. Et grande est ma joie de vous savoir nombreux connectés. Je vois ici Madame Gwen Koku, Bongas Boizo, Stacy Bélé, Pasteur Stacy. Shalom spécial depuis Mwanda, là où tu es encore. Joyeux anniversaire à vous, car ce jour commémore à l'anniversaire de l'une de mes grandes sœurs. Et mon pasteur est parti me représenter, voilà, fidèlement là-bas. Et je bénis le Seigneur. Happy birthday to you. Romaine Bénédiction Mabiala. Ok. Bongas Boizo. Shalom. Dominique Eman, prophète de Dieu. Romaine Bénédiction Mundunga. Valentine Lepinda. Oh my God. J'ai la joie au cœur ce soir. Ursula Etugi. Shalom. La communication représentée. Laurine Blessing Angwenze. Shalom. Aloïse Mouloun, shalom. Peel of Jesus, shalom. Je vois ici l'église des Port-Gentil connectée, l'église de Franceville connectée. Shalom, 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 shalom. Papa Retoa, shalom. Que la grâce de Dieu soit votre partage partout où vous êtes. Wherever you are, receive the mercy of the Lord in your family, in your life, in your business, in your job, in the mighty name of Jesus Christ. I'm very happy to see you. For me, you are a great man. You are a great man of God. You are a great father. Thank you for your life. Thank you for your personality. Thank you, thank you, thank you, thank you. Okay, thank you. Gloire à Dieu. Je vois encore qui ici. Je vois Madame Larry Matt, épouse Emma. Je vois ici Emmanuel Lekamimbu. Oh my God. Emmanuel Lekamimbu, je ne peux lire ton commentaire ici sans pourtant te présenter quelque chose que je n'ai pas peut-être eu le temps de le faire ou la peine de le faire à cause de mes programmes très chargés. Suite à ce que j'ai vu dans mon esprit, je tiens sincèrement à te présenter toutes mes condoléances. Je te présente toutes mes condoléances les plus attristées. Je prie pour toi et dans mon esprit, je vois combien de fois c'est pas facile pour toi, mais Dieu est là, Dieu te fortifie. Voilà, Paul a dit, la mort n'est qu'un gain. Et nous bénissons le Seigneur de ce que nous croyons aujourd'hui, que maman, que cette personne se trouve au ciel. Ok, Aloïse, Mouloun, Warren, Ondo, Shalom, Bongas, Boizo, Boio, Dominique, Eman, prophète de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Est-ce que nous pouvons faire un maximum de partage? Maximum de partage. Je vois ici Monsieur Arnold Mungomo. Shalom. Je vois ici Aurel Bunzanga. Je vois ici Aloïse Mouloun. Je vois ici Stacy Bongi. Je vous demande de faire une chose. Allez au bas de votre écran. Partagez ce live dans tous vos groupes. Madame Christiane Joktan, shalom. Cosmétique exaucée, shalom. Que la grâce de Dieu soit le partage maintenant de toutes les personnes qui sont en train d'aller partager ce live dans tout leur groupe, partager avec des amis, partager avec des bien-aimés, car ce soir, Dieu veut nous surprendre. Toi qui soumets en ta présence. Maximum de partage. L'oradish. Rekonani Jedraï Davahaz. Oh my God. Est-ce que nous pouvons partager? Appuyez rien que sur le cœur. Pour que ce live ne soit point signalé, appuyez sur les cœurs. Sur les cœurs, sur les cœurs, sur les cœurs. Envoyez, envoyez dans tous vos groupes. Envoyez avec, à des amis, envoyez à des bien-aimés. Oh la radaba dabododo, shadadadadada. Les rodododo badadi, shedededede, rodadabadash. Maximum de partage, bienvenue. Alors, dites-nous d'où vous nous écrivez, d'où vous nous recevez maintenant. Gloire à Dieu. Merci de remettre la mélodie au début et diminuer le volume. Le son plutôt, excusez-moi. Ok, Madeline Mousvo. Shalom, que Dieu vous bénisse ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je suis content ce soir. Voilà. Ce soir, je prêche sur le thème. Je prêche sur le thème qui doit être localisé ce soir. C'est le thème de mon message. Qui doit être localisé ce soir? Je réponds. Qui doit être localisé ce soir. Je répète, qui doit
être localisé ce soir. Bien-aimé, je tiens d'abord à redéfinir les bases. Ce programme est un programme spécial d'intercession. Intercession pour des familles, intercession pour des personnes qui traversent des temps un peu difficiles et qui ont besoin de la main de Dieu dans leur vie, de l'intervention divine dans leur vie. Mais vous savez, nous faisons parfois face à des problèmes d'incompréhension au milieu ecclésiastique, notamment avec des chrétiens qui nous suivent. Vous allez voir des réactions de ce genre. Pourquoi on ne prêche jamais? À quand le message? On va prêcher à quelle heure? On va prêcher à quelle heure? Vous savez, si vous redéfinissez bien le message prophétique ou encore la prophétie, le don des prophéties, vous allez vous rendre compte, my God, vous allez vous rendre compte que la prophétie est une prédication. La prophétie est un enseignement. Hein? La prophétie est un enseignement. Paul a dit quoi? Paul a dit, la prophétie sert à édifier, consoler et fortifier. C'est quoi l'édification? C'est quoi édifier quelqu'un? C'est quoi consoler quelqu'un? C'est quoi fortifier quelqu'un? C'est la prédication, c'est l'enseignement. On fortifie quelqu'un par l'enseignement. On édifie quelqu'un par l'enseignement. Est-ce que vous savez que lorsque je prophétise ici pour une personne, ça peut être un enseignement pour vous? Parfois même, il se peut que vous ayez le même problème. Parfois, vous vous retrouvez dans la prophétie de l'autre. Oui, mais je vis la situation là dans ma vie. Je vis ce problème là dans ma vie. Je vis aussi les mêmes choses. Et à un moment donné, si je donne une orientation à une personne, tu peux te connecter par la foi. Si je donne des conseils ou encore des paroles de sagesse. Parce que ici, là, je n'exploite pas seulement le don de la parole de connaissance. Je travaille aussi avec le don de la parole de sagesse. C'est quoi le don de la parole de sagesse? C'est une prophétie qui apporte des solutions. En fait, c'est ce genre de type de prophétie. Exemple, je vais prendre le cas d'un foyer, d'un couple. Exemple, un couple qui vit une situation. Il est clairement dit dans la Bible qu'un couple ne peut que se séparer à cause des problèmes d'infidélité. Mais si vous tombez, exemple, sur un couple où le mari veut tuer la femme, où le mari est en train de taper la femme à un degré, et Dieu vous révèle ce cas, et Dieu vous dit même que le soir là, le monsieur là a prévu violenter sa femme, quelle est l'orientation prophétique que vous allez donner à cette femme? C'est de lui dire de prier, ou c'est de lui dire, madame, si vous êtes maligne, levez-vous, retirez-vous là-bas même une semaine ou deux semaines, parce que ce que je vois ce soir là sur vous, c'est pas bon. Vous voyez, ça c'est dans le cadre de la parole de sagesse. Donc la parole de sagesse, c'est une révélation qui vient apporter une sagesse dans un problème, qui vient apporter une proposition, qui vient apporter une solution. Vous allez parfois voir des hommes de Dieu qui viennent, ils révèlent ton problème, mais ils ne te disent pas qu'est-ce que tu dois faire pour sortir de là. Pourquoi? Parce qu'il a juste eu le don de la parole de connaissance pour te révéler le passé, le présent et le futur. Mais celui qui a le don de la parole de sagesse, c'est celui-là qui te dit, pour atteindre ton futur, voici comment tu devras marcher. Voici ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Et bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, les dons des révélations de nos jours sont des dons qui sont accompagnés des enseignements. La prophétie exhorte, elle édifie, elle fortifie, elle oriente. Et bien aimé dans le Seigneur, la prophétie a le même rôle qu'un message. La prophétie a le même rôle qu'une prédication qu'on peut prendre dans la Bible. Si j'ouvre ma Bible, je commence à prêcher, c'est pour t'orienter, c'est pour t'édifier, c'est pour te fortifier. Mais lorsque je prophétise, c'est aussi la chose. Et waouh! Vous allez trouver quelque chose de très important dans la prophétie, c'est que la prophétie peut être adressée de manière individuelle. C'est vrai, il y a des prophéties de manière générale, mais il y a des prophéties qui te sont adressées de manière individuelle. Bien aimé, encore que les prédications, les enseignements, tu cliques tout de suite là sur YouTube, tu cliques enseignement de la foi, tu vas trouver tous les enseignements. Tu cliques enseignement du pardon, tu vas trouver enseignement de sanctification cet été. Tu vas retrouver des milliers d'enseignements. Mais tu ne dois jamais trouver un enseignement où on parle de ta vie, de ce que tes aïeux avaient eu à faire, de ce que ton père a eu à commettre comme erreur qui te poussait aujourd'hui dans le sang. Tu ne dois jamais trouver une prédication là-bas sur Facebook, là où on cite ton nom, on cite ton village, on cite les gens de ta famille. Et bien aimé le Seigneur, réjouis-toi lorsqu'un prophète est en face de toi. Réjouis-toi lorsqu'un prophète parle dans ta vie. Ça ne fait pas de toi un suiveur des miracles ou encore un suiveur des prophéties.
J'ai dit bien, écoute, tu rentres là, je suis sur Netflix, c'est ça mon billet. Je suis sur Netflix là. Tu cliques, tu enseignements sur la foi. Tu retrouveras des milliers d'enseignements sur la foi. Hein? Tu cliques enseignements sur le pardon, tu retrouveras des milliers. Mais sur ta vie là, tu ne trouveras pas. Ce que toi tu dois faire demain là, tu ne sais pas. Ce qui t'arrivera dans 5 jours, tu ne connais pas. Et lorsque tu es en face d'un prophète, Marakino Zalayana, sois heureux. Ce soir, je me mets à ta place. Prophète, je veux la prophétie. Oui, j'aime le message, mais j'aime aussi la prophétie. Le message, c'est la base. La parole de Dieu, c'est la base. Mais il y a des situations dans lesquelles, hormis la parole de Dieu, qui est le logos, qui est la base, on a besoin de la voix de Dieu. On a besoin d'entendre quelque chose nous concernant. On a besoin des orientations. Car la Bible déclare, un peuple qui marche sans révélation est un peuple sans frein. Et lorsqu'une voiture n'a pas de frein, elle pourra aller cogner partout. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai besoin de la prophétie. Ce soit opération, j'ai besoin d'être localisé. Vous savez, pourquoi beaucoup de personnes abandonnent la foi dans les églises? Parce qu'à force d'écouter des messages, Marovacha, Merovati Sekaya, Leradababa Siglovaya, Mekonanisha, maximum de partage. Pourquoi beaucoup de chrétiens se découragent dans les églises? Ils vont dans les églises, ils payent les dîmes, ils ont tous les enseignements du monde. Pourquoi ils se découragent? Surtout dans la francophonie. Parce que nous voulons baser tout sur la lettre. Hein? Je ne dis pas baser tout sur la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas la lettre qui est écrite. La parole de Dieu est esprit et vie. Paul l'a même dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre là, c'est quoi? Regardez, les scribes et les pharisiens ont condamné Jésus par quoi? Par la lettre qui était écrite, par le décalogue, les 10 commandements. Les scribes et les pharisiens ont condamné Jésus par quoi? C'est par la loi de Moïse. Mais bien aimé dans le Seigneur, ils avaient oublié que la personne qu'ils étaient en train de condamner, c'était celui-là qui avait la parole. C'était même lui-là qui était auteur de ce livre. Mais vu qu'ils n'avaient pas de révélation, ils étaient obligés de condamner des choses qu'ils ne connaissaient pas. Vous savez, les personnes qui condamnent toujours vos ministères, vous êtes là les grands serviteurs de Dieu. Vous faites des miracles, on vous condamne. Vous prophétisez, on vous condamne. Vous donnez des paroles de connaissance, on vous condamne. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas la révélation sur le type de personnes qui vous habitent. Ils n'ont pas la révélation sur Dieu. Pour eux, ils ont limité Dieu dans leur conscience. Ils ont limité Dieu selon leur psychologie, selon leurs études, selon leur théologie. Pour eux, Dieu, c'est celui-là seulement dont on vient s'asseoir, c'est celui-là dont on nous enseigne dans la religion. Dieu n'est pas religieux. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu est un esprit. Et la Bible déclare que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est quoi adorer Dieu en esprit? C'est connaître ce qui se cache derrière le mot amour de manière littérale. Oui, c'est vrai qu'il est dit que aimer, ce n'est point soupçonner le mal chez son frère, chez sa sœur. Définition de manière littérale. Aimer, c'est de ne pas haïr. Aimer, c'est de ne pas jalouser. Mais or que celui-là qui comprend le sens amour avec la révélation, il comprendra que l'amour, c'est la plus grande dimension dans le royaume de Dieu. Il fera sortir la révélation pour comprendre que l'amour même c'est Jésus. Celui qui pratique l'amour a Jésus. Et bien aimé le Seigneur, aujourd'hui on a condamné des âmes qui pouvaient nous aider à délivrer ces chrétiens-là qui sont morts avec le nom de Jésus. Combien de chrétiens meurent sur les hôpitaux? Combien de chrétiens qui écoutent la parole sont bloqués de manière financière? Combien de chrétiens qui connaissent toute la Bible n'arrivent pas à évoluer dans leur vie? Tu es là depuis 50 ans, tu es dans l'église, tu dis tu es fidèle, mais c'est toujours toi qui fais des rêves sur des maris et des femmes de nuit. Tu as besoin d'entendre quelque chose de particulier. Tu as besoin d'entendre un message. Je ne suis pas contre la parole, mais je crois que de nos jours, on n'a plus besoin de la parole répétitive. C'est quoi la parole répétitive? Dieu a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On a besoin de la parole démontrée. Dieu dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Allez-y à Mélène, il y a des fous là-bas. Pourquoi les miracles là, ne peuvent pas guérir les fous? Pourquoi ceux qui ont les dons de guérison dans les églises ne peuvent pas guérir les fous? Allez-y dans les structures hospitalières, au CHU d'Angonjé, vous allez vous rendre compte qu'il y a tout un centre de cancérologie.
là où il y a des cancéreux, là où des gens pourrissent sur place, là où des personnes sont désespérées. Pourquoi ne pas aller guérir? Je sors de ce message hypocrite. Je sors de ce Jésus d'hypocrisie. Jésus guérit et toi tu es un enfant malade dans la maison, tu n'arrives pas à le guérir. Où est l'efficacité de ce Dieu? Je sors de ce message d'hypocrisie. Jésus peut te donner les enfants, mais jusqu'à là tu es stérile. Ce qui montre qu'il y a un problème. Jésus est puissant, mais jusqu'à là c'est toi qui es toujours victime de fusils nocturnes. Tu es toujours victime des attaques. Je décrète et je déclare à partir de ce soir que Dieu t'amène dans une dimension extraordinaire de démonstration de la puissance de Dieu. Tu ne seras plus seulement celui-là ou celle-là qui prêche, mais tu démontreras la puissance de Dieu. Manderadosa, verokananosa, lerofakana. Vous savez, les gens condamnent la manifestation des dons. Pourquoi? Vous allez même voir, il y a des personnes là, lorsqu'on est connecté sur Facebook, encore vous pour écouter les prophètes, encore vous pour écouter des voyous comme ça, encore vous pour écouter des gens qui n'ont pas fait des études, des gens qui ne sont pas allés loin dans les études, des gens qui sont escrocs, qui viennent pour vous escroquer, des gens qui sont toujours là pour demander l'argent des gens, encore vous, vous suivez même quoi là-bas? Il y a quoi là-bas? Je préfère aller écouter cette personne-là qui gesticule devant mes yeux que d'aller écouter ces hommes de Dieu escrocs, ces pasteurs escrocs qui ne valent rien, qui sont toujours là pour demander l'argent des gens, qui sont toujours là pour nous dire Jésus revient bientôt et jusqu'à là il n'est jamais revenu depuis 2000 ans. Où est ce Jésus? Vous écoutez des jeunes comme ça, des jeunes qui ne valent rien, des jeunes qui sont là dans la mendicité, des jeunes qui sont là dans des mauvaises choses, des jeunes qui ne vaut rien. Et vous écoutez ces gens, des personnes, ces personnes vont vous donner quoi? Bien-aimés le Seigneur, vous comprenez pourquoi ils parlent comme ça? C'est parce qu'ils ne sont pas encore malades. Vous comprenez pourquoi ils parlent comme ça? C'est parce qu'une mauvaise situation ne leur est pas arrivée. Mais le jour où cette situation pourra les arriver, je ne souhaite pas, vous verrez ces personnes-là courir chez les pasteurs. Vous verrez ces personnes-là vous demander, amenez-nous chez vos pasteurs là, amenez-nous chez votre pasteur, amenez-nous chez votre prophète. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais juste annoncer que le temps est en train d'arriver où le Seigneur Jésus a décidé, marovage, l'inquinonage, wana asando, l'eroshaki davaya, merosikaida. Le Seigneur Jésus a décidé dans ces temps d'agir en force et en puissance avec toi. Donc, bien-aimé, avant de rentrer dans ce message qui doit être localisé, j'aimerais te dire que dans la prophétie, tu vas te retrouver. Tu ne trouveras jamais un message sur Facebook là-bas où on parlera de toi, de ta famille, de tes origines. Jamais. Les grands pasteurs que tu suis là ne te connaissent pas. Jamais de la vie. Eux, ils connaissent Jésus est mort, il est ressuscité, il reviendra chercher son église. Mais lorsque tu es connecté là, Dieu a la capacité de te parler. Voici l'endroit où tu dois respecter. Au moins, tu entends la voix de Dieu. Au moins, Dieu te dit quelque chose. Et bien aimé, ne restez pas dans les polémiques, ne restez pas dans les jugements, suivez la voie de Dieu. De nos jours, ce qui est important, c'est la voie de Dieu. Et les hommes de Dieu qui sont ici, j'aimerais vous fortifier à ne pas vous décourager dans ce que vous êtes en train de faire. Allez de l'avant, car Dieu est avec vous. Toutes les fois où vous direz, j'arrête de prophétiser parce que les gens interprètent mal la prophétie, vous allez frustrer l'Esprit de Dieu qui est en vous. Écoutez-moi, Dieu ne peut qu'agir dans ce qu'il a donné à une personne. Dieu ne peut qu'agir dans ce à quoi il a donné à une personne. Dieu ne peut que se manifester dans le dépôt qu'il a mis en toi. Le jour où tu régneras ce dépôt, c'est le jour où Dieu te régnera. Le jour où tu refuseras de guérir les malades parce qu'on critique ceux qui guérissent les malades, on te traite des magiciens, on te traite des sorciers parce que tu fais des visions. Le jour où tu régneras cette personnalité qui est en toi, c'est le jour où Dieu va te régner. Oh my God, je peux avoir de volume. Le jour où tu régneras le don spirituel que Dieu a mis en toi, c'est le jour où Christ va te régner aussi. Si Dieu a dit toi, tu dois parler, ne te décourage pas parce que les gens se moquent de toi quand tu parles. Oh, lui là, il parle quoi? On peut suivre une autre personne qui parle mieux que lui. Ne te décourage pas. Non, 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 ne baisse pas. Jésus-Christ te voit. Ne baisse pas. Jésus-Christ est avec toi. Ne baisse pas. Jésus-Christ t'a appelé. Ne baisse pas.
Et je serai toujours avec toi. Ne baisse pas, Jésus ne t'abandonnera jamais. Ne baisse pas, Jésus marchera toujours avec toi. Ne baisse pas, Jésus, il est avec toi. Ne baisse pas, Jésus te tient toujours la main. Adore avec moi. Ne baisse pas, Jésus te tient toujours la main. Ne baisse pas, Jésus te tient toujours la main. Ne baisse pas, Jésus te tient toujours la main. Oh my God. Ne baisse pas, Jésus sera toujours avec toi. Ne baisse pas, Jésus te tient toujours la main. Ma revanche. Ne baisse pas, il ne t'a pas abandonné. Ma revanche. Ne baisse pas, Jésus te tiendra toujours à la main. Ma revanche. Ne baisse pas, Jésus ne t'abandonnera jamais. Écoute-moi, ne baisse pas. Ne baisse pas les mains. Jésus sera toujours avec toi. Ne te décourage pas. Jésus sera toujours avec toi. Écoute-moi bien. Lorsque Dieu veut sauver une génération par quelqu'un, la première chose qu'il cherche à faire, c'est d'équiper la personne. Et dans l'équipement, il place un dépôt en toi. Il place un potentiel en toi. C'est avec ce potentiel qu'il sauvera des personnes. C'est avec ce potentiel qu'il touchera les nations. Mais écoute-moi, si tu commences à critiquer le potentiel que Dieu a mis en toi, comment Dieu va t'utiliser? Si Dieu t'a donné les visions, vois, continue à voir. Si Dieu t'appelle à prophétiser, continue à prophétiser. Ne baisse pas, Jésus te tient toujours par la main. Ne baisse pas, Jésus est toujours avec toi. Ne baisse pas, ne baisse pas. Ne baisse pas, même quand c'est difficile. Ne baisse pas, même quand les gens ont dit que lui là c'est fini. Même quand tout le monde dit qu'il va s'arrêter là. Ne baisse pas, lève-toi toujours. Le potentiel que tu as, que Dieu a mis en toi, je vais même pleurer. C'est un potentiel excessivement grand. C'est un grand potentiel. Ne tue pas le temps là. Si Dieu t'a appelé à chanter, retourne dans l'église, chante s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. C'est une simple harpe qui a mené un jeune homme à quitter de la forêt pour devenir le roi d'Israël, le roi de Juda. S'il te plaît, ne baisse pas la garde. Tu ne sais pas ce que ce don-là peut produire en toi. Tu ne sais pas où ce don-là peut t'amener. Tu ne sais pas où le don de guérison peut t'amener. Tu ne sais pas pour qui tu prieras dans deux matins, dans cinq ans, dans six ans. Ne baisse pas les bras. Lève toujours les mains au ciel. Lorsque tu fais face à des difficultés, lorsque les gens ne sont pas d'accord de ce que tu fais, va de l'avant, va de l'avant, ne baisse pas, ne baisse pas. Jésus te tient toujours à la main. Fai caminosa. Est-ce que nous pouvons partager cela? Ne baisse pas, Jésus te tient toujours par la main. Ne baisse pas, Jésus te tient par la main. J'aimerais parler aux serviteurs de Dieu qui sont ici. Vous savez, même quand vous faites les lives, si c'est Dieu qui vous dit, même s'il n'y en a que trois personnes qui vous suivent, restez là, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Même si, ne soyez pas complexés. Ne crispez pas votre propre personne. Même s'il n'y en a que cinq, même s'il n'y en a que dix, tu regardes le live de l'autre, c'est des centaines de personnes, c'est des milliers de personnes, mais chez toi il y a 10, ça ne diminue pas ce que tu as en toi. Tu as reçu ta capacité, travaille juste, à force de travailler, à force de travailler, Dieu finira par t'amener dans les hauteurs. Même quand tu fais, les gens de ton assemblée ne te suivent pas, continue à travailler. Bien-aimé dans le Seigneur,
Avant d'être dans les centaines de personnes, on était dans les dizaines. On faisait des lives, il n'y avait que 3 personnes, 4 personnes. Aujourd'hui, je fais des lives, parfois il y a plus de 4000 personnes connectées. Il arrive des temps, je fais des lives, il n'y en a que 100, je bénis le Seigneur. 500, je bénis le Seigneur. 1000, je bénis le Seigneur. Ça, les vues, écoute-moi bien. Les vues n'enlèvent pas ta relation avec Dieu. Ce que tu fais, les applaudissements, ne changent pas ta relation avec Dieu. Respecte juste ce que Dieu a mis en toi. N'abandonne pas. C'est Dieu qui récompense. C'est Dieu qui te connaît. Et il a décidé en cette saison de te récompenser en fonction de ton travail. C'est pourquoi tu dois mettre ce don en valeur. Tu dois mettre ce don en valeur. Je répète, tu dois mettre ce don en valeur. Tu dois mettre ce don en valeur. Les gens ne veulent pas entendre ton message. Continue à parler. Si Dieu a dit toi, c'est la repentance. Continue à parler. L'homme ne donne que ce qu'il a. Et prophète Emmanuel, lui, il a reçu la voyance. Et ce soir, j'aimerais vous donner la voyance. Est-ce que vous êtes prêts là où vous êtes? Marofakainanija. J'ai besoin de quelqu'un qui est prêt maintenant. Les Rovababas, maximum de partage. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? L'homme ne donne que ce qu'il a. Je vois ici des personnes qui disent, prophète, Dieu a mis le don des chants en moi. Dieu a mis l'adoration en moi. Vas-y, adore. Va faire des retraites. Et dis, Seigneur, fortifie-moi dans ce domaine-là. Je vais adorer pour convertir des peuples. Adorer pour convertir des nations. Seigneur, non, je ne veux pas me comparer aux artistes païens ou encore aux artistes chrétiens. Mais je veux chanter pour amener ton ciel sur la terre. Je veux chanter pour amener ton trône, convoquer ton trône sur la terre. Et bien aimé, Dieu t'utilisera en fonction de ce qui est en toi. Et à partir de ce soir, lève-toi et dis, Seigneur, tu as mis une chose en moi, je me lève avec cette chose. Même s'il n'y aura personne au départ, je me lève avec cette chose. Lorsque j'ai commencé l'église, l'évangéliste Ward, il est là, le prophète Marcus, il est là, l'évangéliste Ridge, Mpara, la majorité des personnes qui ont vu comment j'ai commencé, vous êtes là, vous vous retrouvez ici dans ce lab. Bien aimé, nous avons commencé, c'était dur. J'ai commencé à même le sol, sans toiture. Il y avait 7 personnes. 7 personnes. En ce temps, je venais prêcher en babouche. En ce temps, il n'y avait rien. En ce temps, c'était difficile. Bien aimé dans le Seigneur, si je vous raconte mon passé et mon présent, c'est le jour et la nuit. Il a fallu que je commence par 3 personnes avant de prêcher devant plus de 20 000 personnes dans les programmes que j'organise. 20 000, 25 000, il a fallu que je commence. Et donc toi là où tu es, ne baisse pas les bras. Jésus-Christ est avec toi. Il dit seulement, si tes 5 pains peuvent se transformer dans sa main en 5 000 pains, il te bénira. Si seulement tu peux lui disposer. Les 5 pains que tu as dans ta main, il les multipliera en 5000 pains. Si tu peux lui disposer les trois poissons que tu as dans ta main, il les multipliera en 3000 poissons. Si tu peux seulement lui disposer Moïse, le bâton que tu as dans ta main, il fera de ce bâton son bâton dans ta main. Si tu peux seulement lui disposer les finances que tu as pour son service, si tu peux lui disposer les biens que tu as, si tu peux lui disposer ton être, ton corps, ton âme et ton esprit, il y aura un boom dans les nations. Il y aura un boom dans ton pays. Oui, c'est possible dans ces temps de voir le Seigneur élever une personne, de voir le Seigneur prendre une personne de la boue et de l'amener à la table des rois. Mais à fonction que cette personne respecte le potentiel que Dieu a mis en elle. Le potentiel spirituel, le don spirituel que Dieu a mis en toi. N'abandonne pas. Tu peux le dire en commentaire. Je n'abandonnerai jamais. Je ne me découragerai jamais. J'irai de l'avant. Les robababa shekaïdaba. Les robababa sededesha. J'irai de l'avant. Mandasikaïdamanosa. J'ai reçu un don. Et c'est le don que je mets, oh my God, en évidence. Je vois une personne connectée ici, au nom de Chapa. Je ne sais pas si la personne est là, mais je vois une personne connectée, au nom de Chapa. My God, je vois son nom vient de monter ici. Je vois, elle s'appelle Jessie Chapa. Évangéliste Ridge Para, aidez-moi à retrouver la personne. Prophète sacrificateur, aidez-moi à retrouver la personne. Vous tous qui êtes là, aidez-moi à retrouver la personne. Je vois ici Jenny Chapa. Est-ce qu'elle est là? Jessie Chapa.
L'érofakainos, l'ubrekano radice, merofakainos, l'érofakinos. J'ai vu dans mon esprit que cette personne faisait face à des problèmes. Cette personne faisait face à des difficultés. Et l'Esprit de Dieu m'a dit qu'il veut visiter cette personne ce soir. Je parle de Jesse Chapa, my God. Je parle de Jesse Chapa. Dans mon esprit, je vois que cette dame, elle provient plus précisément de Bakumba. Elle a des origines au niveau de Bakumba. Elle est là, ok, gloire à Dieu. Elle a des origines au niveau de Bakumba. Bakumba, je suis en train d'aller dans un endroit et je vois qu'à côté de chez elle, ils sont situés à la quatrième maison du chef du quartier. Et je vois comme une maison qui est peinte en noir, demi-dur. Je ne dis pas qu'elle habite là-bas, mais je vois qu'elle revient de là-bas. Et dans mon esprit, je vois qu'on a pris sa photo. Et on est allé poser sur une pierre au niveau de Bakumba. Et on a dit que tout ce qu'elle doit faire doit échouer. Là où elle doit planifier des choses, elle ne réussira jamais dans ces choses. Est-ce que la personne est là? Confirmez-moi le message. Les Rofaka Inanisa. Les Rekinoseka Inamosa. Manderakinosa. J'ai vu comment cette personne était attaquée dans un domaine de sa vie. Et le domaine dans lequel elle était attaquée, c'était dans le domaine professionnel. Et l'Esprit de Dieu m'a dit ceci, que cette personne a posé un dossier. Mais le dossier est plus précisément dans un endroit appelé Express Union. Je parle d'Express Union. J'ai vu un dossier posé à cet endroit. Et pendant que je vais plus loin, je suis en train d'entendre dans mon esprit comment on devrait l'appeler. On devrait comme lui donner une direction. Mais ça a échoué. Au point où elle est partie à un autre endroit comme appelé Seka Gadis. Seka Gadis. Barova kino ratino shakaya. Prevat. Wene kino shikan dakinosa. Je suis en train d'avancer avec toi. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle confirme le message? Oui, breke no sal. Maski donanija. Enkwana si brekosa. Loupre varada babasa. Qu'est-ce qu'elle dit? Pardon, il faut parler plus fort. Elle dit amen, vérité. Maintenant, il faut dire à la dame que Dieu est sur le point de visiter sa vie. Marofaïsa. Dieu est sur le point de faire quelque chose de là où elle se retrouve. Dans mon esprit, j'ai vu comment on avait relâché des choses sur elle, sur elle. Et je vois même que quand elle est née, il y a des fétiches qu'on est en train d'aller faire sur elle. Qu'on est allé faire 8 jours, my God. 8 jours après sa naissance, je suis en train de voir dans mon esprit qu'on allait faire des fétiches. Si tu es là, il faut confirmer, je ne te vois pas ici. 8 jours après ta naissance, je vois qu'on est allé faire des fétiches. Et pendant que je compte 8 jours après ta naissance, je suis arrêté au 12 février. 12 février, plus précisément 1987. Le 12 février 1987, je vois dans mon esprit, on était en train d'aller faire des fétiches au niveau de Bakumba. Pourquoi j'ai parlé de 8 jours après ta naissance? Parce que dans mon esprit, je vois que tu es né le 4. Je suis arrêté au 4 février. Et je vois qu'à partir du 12, il y a une délégation de personnes qui se sont levés avec une partie de toi, dont je me retire ici. Ils sont allés placer ça à un endroit. Et je suis en train de voir Mandiko Saika. La dame confirme et elle dit vérité. Maru Fakal. Je prophétise et je décrète sur les 100 premières personnes qui ont partagé cela. Que les yeux de l'Éternel s'ouvrent dans ta vie à partir de ce soir. Que Dieu te localise. Que le Dieu de la Bible te parle ce soir. Partout où tu es en train de partager. Barikotazikata. Un covarage. Je décrète la grâce et la faveur de Dieu sur toi. Les bobobobos. Est-ce que la dame confirme le message? Oui, elle confirme. Oui, elle confirme. Oui, elle confirme. Madame, je parle. Regardez ceci. Je vois dans mon esprit dans 3 semaines. Bandorosaya. Je vois comme Sobraga. Je suis arrêté à Sobraga. Et je m'en vais dans une direction. J'entends parler de la direction de Guinness. Je vois que là-bas, il y a une personne. Je m'arrête à son nom. Il avait dit qu'il devait vous appeler face à une situation professionnelle. Mais cela avait échoué. Je vois dans mon esprit que ce qui a été fait contre toi à la naissance,
présence est en train de te porter préjudice aujourd'hui, est en train de te poursuivre. Donc tout ce que tu es en train de faire, ça te poursuit. Partout où tu essaies de planifier des choses, ça échoue. Parfois tu te poses même la question, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Est-ce qu'on m'a maudit? Quelles sont les personnes qui ont fait de mauvaises choses contre ma vie? Madame, je vois dans mon esprit comment les gens ont dit, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas aller loin, tu ne peux pas te marier. Mais parce que tu t'es connecté ce soir au scanner spirituel, je décrète et je déclare, by fire, by blood, tu réussiras au nom de Jésus. Cette année, tu réussiras. Est-ce que quelqu'un a dit amen bien fort? Pendant que je parle avec toi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis en train de voir 8 personnes derrière toi. Mais dans mon esprit, je vois comment Dieu est en train d'apporter la faveur à ces personnes. Je vois premièrement une personne au nom de William. William, je parle d'un certain William. Est-ce que tu es connecté? Si tu es là, il faut aller rapidement. Il faut aller rapidement. Je suis dans la gymnastique prophétique. J'entends parler de William. William C-H-A-P. À la fin. William Chapa. Qui est William chez vous? Mandero Dodosha. Mare Konanisha. Mandjore mon reçoit au nom de Jésus. Et le William dont je suis en train de parler, je vois dans mon esprit, il est à fond ses villes. Pendant que je parle avec toi maintenant, le monsieur a un t-shirt, le t-shirt est blanc. Le monsieur a un pantalon sur lui. Le pantalon est noir. Je suis en train de voir le monsieur est arrêté. Il était sur sa table. Je vois comme une personne s'est déplacée sur la table et s'assoit au salon. Il est en train de mettre une chaîne actuellement où je suis en train de te parler. Pendant que je parle du monsieur, dans mon esprit, je vois que le monsieur, on a déclaré quelque chose à l'hôpital. Et pendant que je parle de la chose, je suis arrêté l'année passée. Je compte janvier, février, mars, avril. Au mois d'avril, je vois la personne a eu comme une hausse de tension. Et là où il est là, il souffre de la tension. Tout ce qu'il essaye de faire, il le fait de manière lente. Et pendant que je parle, je vois dans mon esprit qu'on a prévu relâcher un AVC sur lui. On a dit on doit le paralyser. On doit paralyser son bras. On doit paralyser toutes ses facultés. Je décrète et je déclare, toute personne dont on a prévu relâcher un AVC, toute personne atteinte de l'attention ici, écoute-moi bien là où tu es, j'aimerais décréter et prophétiser sur toi, l'attention la meurt ce soir, l'attention la meurt ce soir, tension oculaire, peu importe la tension, peu importe la maladie, la pathologie qui t'a été déclarée, je décrète et je déclare, par l'onction de ce que j'ai reçu, j'annonce au nom de Jésus, par l'onction de celui qui vient moi, que la maladie la meurt aujourd'hui. La maladie la c'était aujourd'hui. La dame confirme le message. L'aérophage, mais qui n'en a niche, l'aérophaginosa, ma sekai d'abosa, l'éradabosa, manderadosa. Après William, je vois Séraphin. Manododobos. Après William, je vois Séraphin. Pandine kenosha. Wana Asando, Laura Kino Saika. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Après William, je vois Séraphin. J'ai dit, après William, je vois Séraphin dans mon esprit. Je vois un Séraphin dans mon esprit. Et je vois que le Seigneur est en train de visiter la vie de ce Séraphin. Allons plus loin. Après Séraphin, je suis en train d'entendre parler d'un Robert Chapa. Masekina Mosa, Lera Kino Manda Saya. Le séraphin dont je suis en train de parler, je ne sais pas si c'est un quartier, mais dans mon esprit, on m'amène dans un endroit. Et je vois sur une plancarte, c'est écrit Kwaben. 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 C'est un quartier? C'est un collège. Je suis en train de voir comme la personne est arrêtée là-bas, au niveau de Kwaben. Et je demande à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu me dit, regarde la scène. Je regarde dans mon esprit. Je vois la personne est en train de monter dans une voiture. Il fait les tonneaux. C'est un esprit de mort qui a été relâché sur lui. Marovage. Mais je prie, elle confirme le message. Je prie que cela soit annulé par la puissance du nom de Jésus. Cela est annulé dans ta vie. Cela est annulé dans ta famille. Par la puissance du nom de Jésus Christ de Nazareth. Je suis en train d'avancer ici. Merofakaïla. Je parle de Robert Leko Sipraya. Qui est Robert chez elle? Maskinonanisha. L'Erofakaïna. L'Erofakaïna.
Après Robert, j'entends parler de Ornella, Mandesaya. Après Ornella, j'entends parler de privilèges, Merakino Sekai Labasa. Après privilèges, j'entends parler de Olsen, Lekonamandas. Et toutes ces personnes que je parle là, ces personnes-là sont liées à la famille Chapa. Elles confirment que ce sont ses parents. Dieu est en train de me dire, la prison dans laquelle il s'est retrouvé au niveau de Bakumba, la prison-là est déjà détruite. By fire, by blood. Je prophétise en tant qu'oracle. J'annonce et je décrète dans ta vie. Toute prison dans laquelle tu te retrouves sont déjà brisées au nom de Jésus. Vous êtes à Bakumba, vous êtes à Franceville, vous êtes à Mounana. Peu importe où vous êtes, le prophète Emmanuel arrive dans la province du Haut-Ogoué, plus précisément dans la ville de Mwanda, avec opération prophète. Je vais récupérer mon manganèse. Oui, oui, le manganèse, c'est la richesse du Haut-Ogoué. Le manganèse, l'uranium, l'or, malgré ses richesses, la population vit dans une pauvreté pas possible, dans des problèmes pas possible. Vous savez, il y a des problèmes qu'on ne peut pas retrouver en France parce qu'ils ont développé leur agglomération. Vous ne trouverez jamais des problèmes du genre, on va vous dire, les liens mystiques, les liens ancestraux. Non, bien aimé, le développement personnel, c'est aussi une délivrance. Et j'arrive à Mwanda. Vous êtes à Mwanda, vous êtes à Mounana. Je vous donne rendez-vous. Je viens avec une opération terrible. Vous êtes le prophète. Viens, n'aie pas honte, viens. Le prophète veut te parler. Je vais prier pour toi, pour ton ministère à Mwanda. Je ne méprise pas les hommes de Dieu à Mwanda. Mais je sais qu'à Mwanda, il y a des entités terribles. Et lorsque tu es un homme de Dieu à Mwanda, tu fais 5 ans debout. On doit t'acclamer. Viens, je vais te donner les orientations et les stratégies pour ton ministère, pour t'amener à te développer. Tu peux gagner tout Mwanda. Par une simple stratégie, tu peux gagner ta ville. Par une simple stratégie, tu veux prendre part à ce programme. Demandez maintenant à Joël là où il est d'épingler le numéro au bas de l'écran. Le numéro, vous allez voir ce numéro. Vous voulez me rencontrer à Mwanda, vous avez des problèmes, vous avez un souci, vous avez une difficulté. Quand même si tu es prophète, tu es pasteur, viens me rencontrer. Il y a des orientations prophétiques que je peux donner pour ton ministère, pour calmer. Pour galvaniser Mwanda, pour galvaniser Rio, pour galvaniser Oima, pour galvaniser, quels sont les quartiers? Bellevue 1, Bellevue 2, pour galvaniser quartier Massango, pour galvaniser les Oima, pour galvaniser tous les quartiers de Mwanda. J'arrive avec une opération de visitation totale. Je demande à la communication. Mare Bobobo Sekaila. D'épingler le numéro ici. Et pendant que je continue à prophétiser. Vous connaissez des personnes qui sont à Mwanda, s'il vous plaît, veuillez les identifier. Vous connaissez des personnes qui sont à Mwanda, veuillez les identifier. Et dites-leur que le prophète arrive chez vous. Rendez-moi ce service. Identifiez-moi ces personnes. Dites-leur, le prophète arrive chez vous. Les Rokanamasa. Dites-leur ceci. Le prophète arrive chez vous. Mande Sekaya. Je vois une personne ici connectée. Est-ce qu'elle est là? Madame Nelly Eyo, est-ce que Nelly Eyo est là? Le trône de Dieu est sur Madame Mary Oyo. Les Rakanamos. Je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas les commentaires. Madame Mary, aïe aïe aïe, j'ai oublié le nom. Les Rofakainas. L'Hydrovadekino Saya. Hein, Kwana Zilevosh. Ma se kaidavas, mero fakainas, lubrekanamosa, endoprekanosa. Madame Nelly Eyo est là. Je suis en train de voir une dame qui est morte, ça ne fait pas longtemps derrière elle. Et je vois que si vous ne faites pas attention, Madame Nelly Eyo, il y a plusieurs personnes qui mourront derrière vous. Plusieurs personnes vont perdre la vie. Mais je suis sur le point de vous dire que parce que vous êtes maintenant connecté, Dieu va annuler cela dans votre famille. Je réponds, Dieu va annuler cela dans votre famille, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marofakaïla, Mendo Sekaïla Mosa. Est-ce qu'on peut parler à cette Eyo, Eyo Nelly, excusez-moi. Gloire à Dieu. Ok, Madame Nelly Eyo, est-ce qu'elle est là? Faites-moi signe.
Marova Bababos. Demandez à Joël rapidement d'épingler le numéro. Épingler le numéro. Lirofa Kanosa. Est-ce que Madame Nelly Eyo est là? Mara Tushakataya. Lorofe Kenosaika. Maximum de partage. Maximum de partage. Nous sommes à plus de 600 personnes connectées ici ce soir. Maximum de partage. Maximum de partage. Nous pouvons toucher et atteindre les milliers de personnes si Dieu le veut. Partageons, partageons, partageons dans tous nos groupes. Partageons avec des amis. Faites-moi signe si Madame Nelly Eyo est là. Madame Nelly Eyo. Madame Nelly Eyo. Voilà, si elle est là, je vais commencer à parler. Madame Nelly Eyo, je suis arrêté sur toi. Et je vois... Métis, il y a quelque chose de terrible qui va se passer à Mwanda. Quelque chose de terrible va se passer à Mwanda. My God. J'ai dit, convoquez-moi les personnes de Mwanda ici. J'arrive à Mwanda. Inscrivez-vous rapidement. Marada Siakas. Laissez-moi rapidement, avant de revenir sur Madame Nelly Eyo. Je vous donne rapidement le numéro pour envoyer un message WhatsApp. Parce que le nombre de places, c'est limité. Hein? Le nombre est limité. 066 72 18 11 à la fin. 066 72 18 et 11 à la fin pour toutes les personnes qui veulent participer au programme de Mwanda. Ma secrétaire virtuelle, je ne sais pas si elle est là, Madame Fafi Monjo. 066 plutôt, oui, 066 72 18 11 à la fin. 066 72 18 11 à la fin pour toutes les personnes qui veulent participer au programme de Mwanda. 066 72 18 11 à la fin. Veuillez m'écrire ce commentaire pour toutes les personnes qui veulent rencontrer le prophète à Mwanda. 066 72 18 11 à la fin pour toutes les personnes qui veulent rencontrer le prophète à Mwanda. Convoquez les personnes à Mwanda. Erova Baba, Shekaila Bababos. Voilà, je viens de pingler un commentaire ici. Au nom de Manuela Teguimez. 066 72 18 et 11 à la fin pour toutes les personnes qui veulent rencontrer le prophète à Mwanda. J'étais arrêté sur qui? 1, 2, 3, 4. Madame Eyo, merci Seigneur. Est-ce que Madame Eyo est là? Je vois un commentaire ici qui dit Madame Eyo est là. Elle est là. Elle est là. Avance prophète. Mandara kino saika dahaza. Webri kona seke de ninja. Madame Eyo, je vais te parler d'une dame dans ta famille. La dame que je vois, c'est l'une de tes sœurs. Mais elle porte le nom Marakino Sakaina Monsahaza. Angèle, Angèle, Angèle. Je suis en train d'entendre comme un oiseau en forêt. Mais l'oiseau en forêt est en train de crier le nom d'Angèle. Et il me dit que c'est la sœur de Madame Nelly Eyo. Mero Fakal. Zubre Kanomash. Mandera Kinosa. L'érofaka non se kainamas. L'ébrovaras. Mérofaka inosa. L'ékonani sheke devisa. Mérofaka inedesh. L'ébrofaka isa. Je parle de Madame Angèle. J'avance plus loin. Et dans mon esprit, je suis en train de voir que cette Angèle-là est arrêtée. Et je vois comme un esprit de mort qui a été relâché sur elle. L'Esprit de Dieu me dit que si on ne prie pas pour elle, il y aura un grand danger qui arrivera. À côté de cette Angèle, j'ai vu comme un jeune homme au nom de Warren. Warren Eyo. Et dans mon esprit, j'ai vu cet homme comme il était arrêté au niveau de l'étranger. Et j'étais en train de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Dieu me dit que dans votre famille, il y a tellement des esprits de mort. Les gens passent le temps à mourir. Tout ce que les gens essayent de faire, ça n'arrive pas à avancer. Et je suis en train de voir dans mon esprit que cet Angèle-là, Warren, cet Eyo Warren, je vois que c'est quelqu'un qui est très intelligent. C'est quelqu'un qui a appris. C'est quelqu'un qui est même dans le domaine du business. Mais tout ce qu'il essaie de faire depuis un temps commence à échouer. Je vois ici une dame au nom de Angie de Nel connectée. Angie de Nel connectée. Je vois dans mon esprit une situation qui va t'arriver.
Marakona Sipleata. Une situation va t'arriver, mais c'est dans ton foyer. Oh my God. Elle répond que c'est sa belle nièce et son neveu. Et ils vivent en France. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu qui révèle des choses cachées? Je reviens sur toi. En général, quelque chose va t'arriver. Je suis en train de voir que dans ton foyer, il y a une situation de séparation qui va arriver. Dieu est en train de me dire, prends le sel. Fais un bain chaque matin à 6 heures avec. Parce que je vois des gens qui ont pris ta photo. Les gens là sont en train de parler pour dire, parce que tu as décidé cette année d'officialiser ta situation avec l'homme avec qui tu vis. Mais ils ont dit, tu ne pourras pas réussir dans cette relation. Excusez-moi. Tout ce que tu vas faire dans cette relation va échouer, va aller d'échec en échec, de malheur en malheur. Mais je prie pour toi au nom de Jésus, que tu reçoives la réussite au nom de Jésus, la réussite à tous les niveaux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la réussite, les rofakaïnes. Perofikenenu sekaïna, meruande sekeya, lurati sekaïda badarada dousa. Je reviens avec Madame Nelly Meyo. Est-ce que la dame est là? Est-ce que la dame peut envoyer des commentaires? Je veux voir des commentaires maintenant. Je veux voir des commentaires. Dieu est en train de parler. J'étais arrêté dans un endroit, mon fils, et je voyais une personne. Ça donne quoi? Y-A-2-N-I-C-K à la fin. Ça donne quoi? Yannick. Je vois Yannick dans mon esprit. Et ce Yannick-là, il s'appelle même Nguema. Il est lié à une certaine famille Nguema, mais il a un lien avec la famille Eyo. Le Yannick Nguema dont je suis en train de parler, je suis en train de voir dans mon esprit que cet homme-là, c'est un grand homme. C'est un homme qui est très intelligent. Mais tout ce qu'il essaie de faire est bloqué. C'est bloqué où? Parce que la majorité de vos problèmes, Madame Nelly Eyo, la majorité de vos problèmes proviennent des Bitam. Car c'est Bitam là où est votre village. Vous êtes des Bitam. Je vous vois revenir des Bitam. Et je vois qu'à Bitam, on a élevé un monument. Et je vois des personnes sont en train de danser dans ce monument, sur ce monument. Et sont en train de dire, nous allons tout faire pour contrôler la famille. Nous allons tout faire pour déstabiliser la famille. C'est pourquoi vous remarquez chez vous que les femmes ont du mal à se marier. Les femmes ont du mal à aller loin. Mais à partir de ce soir, by fire, by blood, in the mighty name of Jesus Christ, j'annonce la libération totale sur vous. Au nom de Jésus. Les blobobobobobo cheblay nananos. Les rakanamanamo seplaya. Et je voyais dans mon esprit ce Yannick-là comme marié. Mais je voyais dans mon esprit comme un divorce arrivé. Et Dieu me demandait de prier pour ce Yannick afin d'annuler tout ce que le diable avait prévu sur lui. Le diable avait prévu dans sa vie. Dites-moi s'il vous plaît. Amsterdam est situé où? Amsterdam. Les Brovars. Je vois la personne arrêtée dans une ville. Mais on ne met pas de Amsterdam. Amsterdam. Et je vois dans mon esprit comment la personne a un projet d'entreprise. Lorsque vous parlerez avec la personne, vous direz qu'il y a un prophète au Gabon qui a prophétisé pour vous. Il dit qu'il t'a vu à Amsterdam. Tu as un projet d'entreprise. Mais ce projet-là, je vois qu'il a déjà adressé des courriers comme je vois des banques. Mais Dieu va l'élever dedans. Si seulement il se souvient de Dieu. Si seulement c'est en Hollande. Si seulement il se souvient de Dieu. Dieu va faire quelque chose de grand, quelque chose de puissant et d'extraordinaire dans sa vie au nom de Jésus. J'ai prié pour vous, Madame Nelly Oyo. Tout problème, même sur la vie de Rostand. Qui est Rostand chez vous? S'il vous plaît. My God. Je vois un homme au nom de Rostand. Mero Fakaya. Manda Sikaya. Mero Bababas. Mero Fakaya Namanos. Meno Sikaya. Rostand est constant. Qui est constant? Et Rostand. J'ai dit qui est constant? Rostand et Samson. Rostand et Samson. Rostand et Samson. Merofakaï Namos. Je prie au nom de Jésus que toutes ces personnes reçoivent la libération totale de là où ils sont dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous pouvons partager dans tous nos groupes? Est-ce que nous pouvons appuyer rien que sur les cœurs? Appuyons sur des cœurs pour que ce live ne soit pas signalé. Et partageons à des amis, partageons à des bien-aimés. Appuyons sur des cœurs. Les brofakaninosa, les rekenomosa. Soyez prêts avec votre bouteille d'huile. Car ce soir, c'est la soirée des prodiges où le Seigneur va apparaître à des gens.
où les gens vont recevoir des signes terribles dans leur maison. Mande Sekai d'Aboraza, Wine Enkenonoja, qui n'a pas encore été localisé ici. Je vais parler à des personnes ce soir. Les Rakanamosa, les Radi Sekai d'Aboraza, Mondadi Sekai, Mareko d'Adisha, les Ubrivera d'Adi Shekededez, l'Obreke d'Adededez. Mande ça. Je vois ici une certaine personne au nom de Alia. Alia. Alia Shamba. Est-ce que madame Alia Shamba est là? Alia Nyamba, excusez-moi. Alia Nyamba, est-ce qu'elle est là ce soir? Je veux parler à une certaine Alia Nyamba. Oh, merci Seigneur. Une certaine Alia Nyamba. Est-ce que Alia Nyamba est là? Je répète. Est-ce que Alia Nyamba est là? Oh my God. L'héro Fati Shatia. Est-ce que Alia Nyamba est là? Oh, merci Seigneur. My God. Mérovage. Elle est là? Alia Nyamba, je ne sais pas. Mais je te vois dans mon esprit, tu es une servante de Dieu. J'ai vu sur toi, il y a un fort ministère prophétique. C'est pourquoi même depuis le jour là où tu es né, il y a eu une forme de persécution derrière toi. Le diable s'est carrément levé contre toi pour te nuire. Carrément levé pour te nuire. Et ils ont vu que le jour où tu as décidé de te mettre en relation, que ce jour-là était propice pour eux pour te détruire et chercher à te nuire. Je suis arrêté dans mon esprit et Dieu m'amène dans un autre pays. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire dans ce pays. Mais je me retrouve dans un pays et je vois un grand pont qui sépare deux villes. Un grand pont qui sépare deux pays, c'est ça. Deux pays. Un grand pont qui sépare deux pays. Et je suis arrêté dans un endroit appelé BRA, Brazzaville. Je suis arrêté à Brazzaville dans mon esprit. Donnez-moi les confirmations, s'il vous plaît. Je suis arrêté à Brazzaville, madame. Maximum de partage. Je suis arrêté à Brazzaville. Mais Dieu me dit que ton problème ne provient pas de Brazzaville, mais provient plus précisément de Arusha. Je ne sais pas où est Arusha. Je vois que ton problème provient de Arusha. Au niveau de Arusha, vous avez un oncle qui s'appelle Jean. L'oncle là est un chef traditionnel. Et si tu t'es connecté, c'est parce que tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Si le message que je donne sur toi, tu le reconnais, dis prophète, je le reconnais maintenant. Je demande à toutes les personnes qui viennent de se connecter, faites une chose, partagez au moins dans plus de 50 groupes et dis prophète, j'ai partagé et je parle sur ta vie. 50 groupes, va au bas de ton écran, partage dans plus de 50 groupes et dis prophète, j'ai partagé. Nous sommes à plus de 700 personnes ici sur mon écran connecté et nous pouvons partager. Tu peux aller le faire sur plus de 50 groupes et dire prophète, j'ai partagé. Merci. L'héro Fataya. La dame est là, elle a confirmé. Elle dit. Elle dit, elle reconnaît. Elle reconnaît Brazzaville. Et elle reconnaît Arusha. Parce que Arusha, c'est son origine. Arusha, c'est là où elle sort. Mais je suis en train de voir que sur cette dame, il y a un problème. Le problème, c'est que je vois qu'on a relâché quelque chose sur elle. Et on a dit que cette chose-là doit se manifester. Mandi Seke Davosa. Je la vois comme commémorée à son anniversaire. Et à ses un an de plus. Et je vois dans mon esprit qu'on l'amène à l'hôpital. On le perd. Car dans son ventre, je suis en train de voir des myomes et des kystes. Ça s'est formé au niveau de ses tempes. Je vois des kystes qui se sont formés. Mais les kystes dans son ventre ont la forme d'un serpent. Je répète, les kystes dans votre ventre là ont la forme d'un serpent. C'est un serpent tout noir qui est en train de contrôler votre ventre. Je demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Oh, Marada Sakanoa. Qu'est-ce qui est en train de se faire? Dieu me dit que
que c'est un serpent qu'on a prévu. Et ça va t'arriver le 17 juin. Car le 17 juin, je vois que tu es en train de danser. Mais tu es en train de tomber le 17 juin. La dame est en train de confirmer le message. Et Dieu est en train de me dire, de te dire, qu'en ce moment à Arusha, ils ont prévu tuer ta vie. C'est pourquoi tu ressens des piqûres au niveau de ton ventre. Je réponds. C'est pourquoi tu ressens des piqûres au niveau de ton ventre. Parce qu'ils prennent le couteau. Ils prennent ta photo. Mando Sai. Donnez-moi un couteau, s'il vous plaît. Ils ont pris le couteau et ta photo. Mando Sekai. Parfois, vous êtes là, vous ressentez des palpitations soudaines. Vous ressentez des douleurs, des picotements soudains. C'est parce que dans le monde spirituel, on est en train de vous envoûter de manière spirituelle. Il y a quelqu'un qui est assis au village. Regardez ce que la personne fait. La personne a un couteau. Il a un couteau à la main. Il a un couteau. Et voici ta photo. Toutes les fois où il pique sur cette photo, spirituellement et physiquement, tu ressens ce qu'il est en train de faire. Tu ressens ce qu'il est en train de faire. Parfois même tu es là, tu es en train de manger, il n'y a rien, tu n'es pas malade, mais tu sens des douleurs du coup. Tu sens des fortes douleurs, parfois même des douleurs qui veulent t'étrangler. Tu sens des piqûres au niveau du cœur. Bien aimé, c'est vrai qu'il y a des explications scientifiques, mais il y a aussi des explications spirituelles. Parfois c'est un sorcier qui a pris ta photo et qui est en train d'enfoncer. Et lorsque je vois le cas de madame, la dame qui s'est connectée tout à l'heure, je ne sais pas si elle est là. Cette dame-là, dans mon esprit, je voyais qu'elle était de Brazzaville. Plus précisément, d'un lieu appelé Arusha. Et au niveau de Arusha, je voyais, oh my God, elle est en train de confirmer le message en pleurant. Je voyais qu'au niveau de Arusha, on avait pris un couteau. Hein, madame Alia, on a pris un couteau. On a piqué sur sa photo pour qu'au niveau de son ventre, elle ressente des douleurs. Elle ressente des douleurs. Elle ressente des douleurs. Toutes les fois où on est en train de piquer ça, elle est en train de ressentir les douleurs. Et là, je suis en train de voir qu'ils sont en train de piquer plus fort. Ils sont en train de piquer plus fort. Si vous connaissez des femmes qui ont du mal à enfanter, parce que dans le monde spirituel, il y a parfois un couteau qui a été planté dans la terre. Vous voyez des personnes qui ont du mal à travailler. Dans le monde spirituel, il y a un couteau qui a été planté sur ton dossier. On a collé le couteau sur ton dossier. On a percé ton dossier. Vous voyez les gens physiquement, ils ont des problèmes des yeux. On a percé tes yeux dans le monde spirituel. Je me sers de ce couteau comme étant le couteau de justice. Je décrète et je déclare que le retour à l'envoyeur soit effectué avec effet immédiat. Dans le nom de Jésus, je retourne ce couteau contre le sorcier de ton village. Je retourne ce couteau qui t'a été relâché contre ton ennemi, ton persécuteur. Dans le nom de Jésus, je commande que cela retourne sur lui-même. Je fais un retour à l'envoyeur avec effet immédiat. Nous sommes en train de partager ce live. Le retour à l'envoyeur est en train de s'effectuer. Madame Alia, elle confirme le message. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Marofakanosa. Elle est en train de confirmer en disant vérité. Pourquoi? Parce qu'au niveau de Arusha, on a pris un couteau et on a posé sur sa photo. Tout ce que la dame essaye de faire, ça ne réussit pas. Et ce couteau-là, c'est pour détruire au niveau de ses trempes. C'est pour que quand on va l'opérer, elle va mourir. Mais je viens d'enlever ce couteau qui était posé à Arusha sur ta vie. Ce couteau vient d'être retiré au nom de Jésus. Ce couteau vient d'être retiré au nom de Jésus. Ce couteau vient d'être retiré au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire au nom de Jésus? Là où tu es, dis au nom de Jésus. Mama. 17 fois, je retire le couteau. Je retire le couteau. Le couteau posé sur mes dossiers. Le couteau posé au niveau de ma tête. Le couteau posé sur mon pied droit qui ne fonctionne plus. Je retire les flèches de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un peut le dire plus fort? Manderadababa. Lenedederosapaikanarosia. Manderadabosa. Madame Alia, maintenant je vais te dire de prier. Parce que je connais pourquoi toi tu t'es connecté, Madame Alia. Tu t'es connecté parce que hier, il y a l'une de tes soeurs qui t'a parlé. L'une de tes soeurs qui t'a parlé. Et ta soeur, je parle plus précisément de Chat. Je parle de Chat. Chat t'a parlé. Elle a dit. Aïe, aïe, aïe. Quel est ce Dieu qui révèle comme ça? Elle a dit, nous sommes au Congo.
Mais j'ai l'impression qu'au niveau du Gabon là-bas, il y a un prophète là qui voit. Alors il peut nous connecter. C'est là où tu es venu te connecter. Si c'est faux, dis c'est faux, je ne te connais pas, on ne se connaît pas. Mais ce que je vois, tu as parlé avec une dame au nom des chats. Et vous avez décidé de vous connecter. Murakino Shakaya. L'endoradish. Webrafikino Seka Inamora. Mando Seka Inamorso. La chatte en question dont je suis en train de parler, elle est plus précisément de Pointe Noire. Mais elle est en ce moment-là à Brazzaville. Et dans mon esprit, je suis en train de voir, parce que vous vous êtes connectés, j'annonce et je décrète le changement total de votre vie. Quelqu'un dit amen? Oh my God. My God. Prophète, ce programme est fort. Prophète, ce programme est fort. Prophète, ce programme est fort. C'est vous le voyant. C'est toi le voyant. C'est toi le voyant. Je viens avec l'onction de la voyance. Je décrète et je déclare sur la vie d'Eugène. Tu es un frère qui porte le nom d'Eugène Nyamba. Qui est Eugène Nyamba? Souvenez-moi les commentaires. Est-ce que je peux démarrer là, mes fils? Il y a quelqu'un qui m'a provoqué. Je parle d'Eugène Nyamba. Oh lo 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 bododosha. Mendedede randadadosha. J'ai dit partagez ce live dans tous vos groupes. Maximum de partage. Maximum de partage. Maximum de partage. Je parle de Eugène, je ne vois pas les commentaires. Mais nous rattachons ça. Le Eugène dont je suis en train de parler, il faut arrêter parce que je vois des personnes l'accuser dans la famille des francs-maçons. Je n'aimerais pas vous dire s'il est franc-maçon ou pas, parce que Dieu ne me le dit pas. Mais Dieu est en train de me dire que pour votre protection spirituelle, il faut arrêter d'accuser Eugène des francs-maçons. Je vois que cet Eugène-là, c'est un monsieur qui a un grand cœur. Mais que les sorciers dans votre famille vont toujours présenter son visage pour vous faire croire que c'est lui le sorcier. Le Eugène dont je suis en train de parler, il travaille à la Banque mondiale, plus précisément au FMI. La personne est en train de confirmer le message. Plus précisément au FMI, à la Banque mondiale. Et Dieu est en train de me dire, vous devez même vous décider à faire un travail sur lui. Parce qu'il y a quelque chose qui va arriver contre lui au niveau de Washington. Parce que je me suis arrêté sur les États-Unis. Je me suis arrêté au niveau des États-Unis et je l'ai vu dans une maison. La maison est blanche. Une, deux, trois. Mais il y a une quatrième pièce. Quatre pièces. Un salon. Je vois une bianderie. Je vois la maison est toute blanche. Et je vois, il est devant cette maison au niveau de Washington. Le monsieur est en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand problème. Elle a dit, c'est son père. Elle confirme le message. Oh, mandolo, dodo, c'est Kayana. J'ai profité sur les 50 personnes qui sont allées les premiers à partager cela. Donc, plus de 50 groupes. Je décrète et je déclare, tu seras la première personne à être bénie cette année dans ta famille. Je relâche la faveur et la grâce de Dieu. Elle dit, c'est son père. Il est à Washington. Et je vois que le monsieur aura un problème. Parce que je suis arrêté. Le 3 juillet, ils auront une conférence mondiale au niveau du FMI. Et je suis en train de voir qu'il va subir des grandes accusations. Il aura des grands problèmes contre lui. Mais j'ai prié pour lui au nom de Jésus. Afin que Dieu l'enlève de cela. L'enlève de ses problèmes. L'enlève de ses problèmes. L'enlève de ses problèmes. Et je vois que ces persécutions ont commencé depuis longtemps. Parce qu'il travaille dans le système des banques depuis 1980, 81, 90, 91, 92, 90, depuis les années 1995 qu'il est dans le système bancaire. Je vois dans mon esprit comment les gens se sont levés contre lui pour le nuire. Mais à cause de ce que vous êtes connectés, cela est annulé ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire, Seigneur, révèle-toi à moi, révèle-toi à moi. Il faut aussi prier dans ta famille pour une certaine personne qui porte le nom J.E.T. Jette Nyamba. Je vois dans mon esprit, il est malade actuellement. La maladie, c'est au niveau de l'une de ses parties intimes. Il ressent une petite boule au niveau de l'une de ses parties intimes. Et je suis en train de voir comment dans le règne de l'esprit, on ne parle d'une hernie spirituelle qu'on veut jeter derrière lui. Jetons mes mains vers vous. Je décrète et je déclare, by fire, by blood, le Dieu qui révèle et qui annule, qui condamne, ce Dieu-là s'élève maintenant. Et il annule toutes les programmations
diabolique dans la vie de votre papa. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu vous donne la victoire. Dieu vous donne la victoire. Merofakaïla. J'ai dit, Dieu vous donne la victoire. Au nom de Jésus. Je vois une personne connectée ici. Au nom de Reli. Reli Mac. Menelebosa. Est-ce que Madame Reli Mac est là? Mododobosa. Librege de Dedesh. Masekaïdabas. Je ne vois pas les commentaires. Appuyons sur des cœurs, des cœurs, des cœurs et des gemmes. Des cœurs et des gemmes. Mando Sapraya. Sur mon écran, nous sommes à plus de 800 personnes connectées ici. Nous pouvons toujours partager, afin d'inviter le plus grand nombre de personnes. Appuyons sur des gemmes et des cœurs. Des cœurs pour que le live ne soit pas signalé. Allons-y partager. Maximum de partage. Est-ce que la dame est là? Menobos. Je parle de Reli. J'ai vu ici Reli. Je ne sais plus si elle est connectée. Madame Reli, s'il vous plaît. Ok, je suis la prophète. Gloire à Dieu. Madame Reli, je te vois, tu te poses les questions à savoir sur ta vie, pourquoi tout ce que tu es en train de faire tourne à rang sur le plan des finances. Parce que je te vois là où tu es là, tu as fait le management. Je te vois dans ta formation, tu as eu à faire du management. Tu as fait du management. Et je vois que tu as la capacité et la mobilité de réussir facilement. Tu peux t'épargner facilement. Tu peux aller de l'avant facilement. Mais je vois dans mon esprit que toutes tes affaires sont bloquées. Tu as eu en place de mettre un projet commercial en cette année. Mais ce projet-là a échoué. Pourquoi? Parce que tes finances sont bloquées. Je vois dans mon esprit, écoute ce que je vais te dire. Tu es des Mayumba. À Mayumba, je suis en train de voir que ton arrière-grand-mère, je n'étais pas avec toi, mais il faut aller demander à ta famille. Elle portait le nom de G-E-R-M-A-I-E-N-E, Germain. Elle portait le nom de Germain. Et elle avait consacré de manière inconsciente toute la famille aux esprits des eaux. Et je te vois dans mon esprit, tu es à Mayumba. Plus précisément dans l'eau. C'est pourquoi tout ce que tu fais, tu as du mal à réussir. Tu as du mal à aller de l'avant. Parce que tu as Mayumba. J'ai pris ce soir au nom de Jésus. Que Dieu vienne te délivrer de Mayumba au nom de Jésus. Quelqu'un a dit Amen. Je décrète et je déclare. Partout où tu t'es retrouvé dans des prisons, sois délivré de ces prisons au nom de Jésus. Menoratisha. Lorakino sepleb ananisha. Lorakino massa. Prophète, localise-moi. Je vois ici une Chalène Moutoubou. Est-ce que Madame Chalène Moutoubou est là? Je suis en train d'avancer. La dame confirme, elle dit oui, papa. My God! Quel est ce Dieu qui révèle des choses extraordinaires? Elle confirme le message. Je suis maintenant arrêté rapidement. On va aller rapidement. Chalène. Chalène Moutoubou. Madame Chalène Moutoubou, je suis en train de voir. On est en train de vous remettre un diplôme, mais c'est le diplôme de la santé. Et dans mon esprit, pendant que je parle avec vous, je vois de manière spirituelle l'Ekovarada Shikananosa qu'il faut prier parce qu'ils ont décidé de combattre ce dossier-là. Et vous allez connaître beaucoup des esprits d'échec si vous ne priez pas pour ce dossier. Je prie, je décrète et je déclare que la faveur de Dieu soit avec vous dans le nom de Jésus. Je vois une personne ici au nom de Igor Ngoulou. Igor Ngoulou, pendant que je parle avec toi, je vois que tu as arrêté au niveau de Brazzaville. Tu me suis depuis Brazzaville. Mais tout ce que tu es en train de faire va d'échec en échec, de malheur en malheur. L'Esprit de Dieu est en train de me dire maintenant, pendant que je te vois ici en commentaire, qu'il veut toucher ta vie. Je vois que tes finances sont bloquées. Tout ce que tu essayes de faire, ça ne réussit pas. Ça n'avance pas. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Les Konanisha. Les Rofa. Souvenez-moi les commentaires. Je suis en train d'aller à une vitesse supérieure.
Je vois M. Igor Ngounou. Vous avez perdu dans mon esprit votre quatrième sœur. Je vois vous avez perdu votre quatrième sœur. Cette personne était morte d'une maladie d'infection. Et je vois que depuis qu'elle est morte, il y a plusieurs événements qui se sont déclenchés dans la famille. D'ailleurs, même toute la famille a été divisée. Les gens ne sont plus unis dans la famille. Tout ce qu'ils sont en train de faire dans la famille va d'échec en échec. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, il y a comme un travail que vous devez faire. Parce qu'il y a un autel de mort qui a été élevé contre vous. Je décrète et je déclare, Marofakaina. Et pendant que je parle de votre quatrième soeur morte, je la vois morte, c'est dans le règne de l'esprit, dans le monde spirituel. Elle est morte dans le monde spirituel. Elle s'appelle plus précisément Estelle. La personne dont je parle s'appelle plus précisément Estelle. Mais je la vois morte dans le monde spirituel. Il se peut que physiquement elle soit vivante, mais je la vois morte dans le monde spirituel. Je ne sais pas, je n'arrive pas à voir plus de détails si elle vit ou elle ne vit pas. Parce que dans le règne de l'esprit, je suis en train de voir deux symboles. Mais je la vois plus morte dans le monde spirituel. J'aimerais m'arrêter là. C'est votre quatrième sœur. Et dans mon esprit, j'entends parler de Estelle. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, l'Erufakaninosa. Il est en train de toucher et de délivrer cette Estelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que le monsieur confirme le message? J'avance plus loin et je vois à côté de toi, tu as une fille. La fille porte le nom de L-I-S. L-Y-S. Elle s'appelle Lise. Je vois que cette fille-là, vous avez mis des projets lorsqu'elle gagne les examens de l'envoyer au niveau de l'étranger. Je vois qu'il faut prier pour elle car on a décidé de l'attaquer au niveau de Dieu. Je suis en train de voir une jeune femme qu'on est en train de rendre aveugle. Je décrète et je déclare, le monsieur confirme le message, c'est grave, que cela soit décrété et déclaré nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les robobobos, je suis en train d'aller rapidement. Qui d'autre est connecté ici? Je décrète et je déclare sur toutes les personnes qui sont connectées, pendant que vous appuyez des cœurs, vous savez, lorsque vous êtes connecté, il me suffit de voir juste votre nom, votre commentaire, et je capte le message de l'esprit vous concernant. Mais ne keno sekai là-bas, mais au fakana et les robobobos, librobosikana mos, verusikaya, mais noratidesh, lorakana manamanase. Je vois ici une personne, je ne sais pas si elle est là. Donas Kumba. Est-ce que Donas Kumba est là? L'Erofakaya. L'Enosekaya. Je vois que la Donas Kumba dans le règne de l'esprit, c'est une coiffeuse. Et dans mon esprit, elle fait dans le domaine de la coiffure. Et je suis en train d'avancer avec cette Donas Kumba. Je vois qu'elle a une situation qui l'embête. Mais c'est au niveau de son bavon. Une situation l'embête au niveau de son bas-ventre. Est-ce que la Donas Kumba confirme le message? Faton El Hadj, je vois à côté de toi pendant que je vois ton commentaire. Tu es un homme de Dieu. Tu as plus précisément le ministère prophétique. Mais je te vois, tu es combattu. Les gens n'arrivent pas encore à reconnaître le potentiel qui est en toi. Je parle de El Hadj ici. Et Dieu est en train de me dire, consacre-toi et cache-toi. Cache-toi dans sa présence. Consacre-toi à lui. Car il veut t'introduire dans une saison assez grande. Je vois des gens qui vont commencer à se rassembler chez toi dans le cadre des prières pour venir chercher la face de Dieu. Je prie et je relâche la grâce et la faveur de Dieu sur toi. Le TGV a pris sa vitesse. Je suis ici sur Madame Donas. La Donas en question confirme le message. Je vois que la Donas fait de la coiffure. Et je vois même dans mon esprit, elle a eu un problème dans un salon de coiffure. Appelez Claudine Coiffure. Elle confirme le message. Appelez Claudine Coiffure. Et je suis en train de voir dans mon esprit que tout ce qu'elle est en train de faire va d'échec en échec. Madame, vous avez planifié d'ouvrir un grand salon de coiffure, de commencer à faire des affaires, faire des grandes choses, mais cela échoue. Je vais vous parler d'une chose. Dans le règne de l'esprit, je vois que vous n'êtes pas faite pour être ici. Je vous vois dans mon esprit. Je vous vois dans mon esprit à Paris. Je vous vois dans mon esprit à Paris. Mais spirituellement, je vois, on vous attache à Franceville. À Franceville, dans l'ambassade. Et yala bobobo, c'est kaina maza. L'érofa kaina manose. Zibre gede dedeche. Loubre kana mamosa. L'enra namosa.
Les konamena sikanoraja. Manosa. Mes fils, élevez-moi le volume ici. Masikaino manosa. Pendant que je suis dans cette atmosphère, je vois des milliers de anges qui sont relâchés dans les maisons. Il y a des gens là où vous êtes. Vous allez commencer à tomber par l'onction prophétique dans vos maisons. Par l'onction prophétique, la dame confirme le message que je suis en train de donner. Je viens détruire, madame, parce qu'il y a un temps de ta vie, tu restes dans une ville au Togo, en nom de Mwanda. Et à Mwanda, je suis en train de voir. C'est comme si on a retenu ton étoile. Je brise cela et je viens de détacher là où tu es dans l'ambassa. Je libère ta vie par la puissance du nom de Jésus. Je suis en train de prier pour toutes les personnes qui ont le don prophétique, le ministère prophétique, partout où vous êtes au nom de Jésus. Là où cette huile est levée, recevez l'onction et la puissance de Dieu. Je parlais ici de Eve and Bach. Je vois une grande prophétesse de Dieu. Écoute-moi bien, Manda Sikaya. Là où tu es, écoute-moi. Je vois, il y a un dépôt ministériel en toi. L'Irofakaina. Mesoplekenerousia. Tu n'as pas encore expérimenté des choses. Mais ce que tu veux expérimenter, dont l'année 2022 va être grave. Je vois que tu vas recevoir des apparitions angéliques. Ce sera grave. Ça va dépasser ton entendement humain. Je suis en train de voir là où tu es maintenant. L'onction de Dieu est en train de descendre sur toi. La Bible déclare que lorsque David jouait de la harpe, l'onction de Dieu quittait le ciel et descendait sur la terre. Pendant que je suis en train de prophétiser, je viens relâcher une onction ce soir sur toutes les personnes qui ont le ministère prophétique. Vous me suivez depuis le Congo, depuis la Côte d'Ivoire, Afrique, Europe, Asie, Amérique. Je relâche au nom de Jésus l'onction prophétique sur toi. Oui, Dieu te connaissait avant que tu ne fusses dans le ventre de ta mère. Il t'avait choisi. Il t'avait appelé prophète des nations. Je viens donner un plus. Que l'huile coule. Que l'huile coule ce soir. Oh my God. Que l'huile coule ce soir. L'endoladidoche. Que l'huile coule ce soir. Aïe, 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 aïe. Que l'huile coule ce soir. Anérophage. Que l'huile coule ce soir. Il y a des personnes même sans frotter de l'huile. L'huile va commencer à couler. Je suis en train de voir l'onction de Dieu qui produit des prodiges. Commence à produire des prodiges dans vos maisons. Il y a des sacs qui vont se retrouver avec des billets. Il y a des poches qui vont se retrouver pleines. L'onction de Dieu a diverses manifestations. Et ce soir, c'est la soirée des prodiges. Là où tu es dans ta maison, tu es avec ta famille. Si tu es prophète, commence à parler en langue. Masuzu ekoto, keto patikino kananisha. Oui, prekete keteru kataba. Endoradashika ilamana. Oui. Tu es le prophète de ta maison. Tu es le prophète de ta famille. Tu es le Élie. C'est toi que tout le monde attendait. Parce que tu es là. Dans ta génération. Dans ta famille. Plus question de mort prématurée. Plus question d'échec. Sur le plan scolaire. Je viens relâcher le champ prophétique sur toi. La Bible déclare. Par un prophète, Israël fit monter. Et par un prophète, Israël fit garder. La délivrance de nos familles passe par le prophétique. La libération de nos peuples passe par le prophétique. Je relâche l'onction prophétique sur toutes les personnes qui ont la responsabilité familiale. Je relâche à cet instant dans votre maison les anges au nord, les anges au sud, les anges à l'est et à l'ouest. Recevez-les maintenant. Les rob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 
ou bien une bouteille d'eau, là où tu es, l'onction de Dieu qui brise le jour de la maladie s'incarne dans ton huile, s'incarne dans ton eau. L'onction de Dieu qui brise le jour du chômage s'incarne dans ta bouteille d'huile et dans ton eau. J'intercède pour toi partout là où tu es, partout où tu me regardes et tu me suis. Au nom de Jésus, je relâche l'onction de Dieu sur toi, Gwen Koku. Oh my God, c'est fort, c'est fort. Je vois des personnes au sol dans leur maison, des personnes au sol dans leur maison. C'est grave ce qui est entré de se passer ici. C'est grave. Il y a des voisins qui vont commencer à s'étonner. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Non, c'est l'onction de Dieu. Ils ne sont pas ivres de vin. Ils ne sont pas ivres d'alcool. Mais plutôt ivres de l'Esprit de Dieu. Car c'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte dans une maison ce soir. C'est la Pentecôte dans une famille ce soir. Même si le Moïse de votre famille, là, il me regarde, il est encore dans le monde. Ce soir, Dieu va le chercher forcé. Le prophète qui est dans ta maison, l'onction de Dieu va le chercher forcé. Même s'il est au coin de la cuisine, même si elle est au coin de la cuisine, même si elle est au salon, l'onction de Dieu te connaît. L'onction de Dieu va chercher son propriétaire ce soir. L'onction de Dieu va chercher son propriétaire ce soir. L'onction de Dieu va chercher son propriétaire ce soir. Je vois des personnes qui sont en train de tomber et d'autres sont en train de les toucher. Pendant que vous touchez une personne qui a l'onction, l'onction qui est sur elle vous prend. Oh yande les bébébébos, les ranamamamos, les radabababos, zédédédédédédobos. Pour une autre saison, Seigneur, équipe-nous. Pour une autre saison, équipe tes serviteurs. Pour une autre saison, équipe Seigneur. Équipe Seigneur. Équipe Seigneur, équipe Seigneur, équipe Seigneur, par un prophète, par un prophète, par un prophète. Où est ce prophète de cette famille? Où est ce voyant de cette famille? Où est celui qui va révéler Dieu? Où est celui qui va révéler Dieu dans son authenticité? Je parle de toi. Il y a une personne qui est restée à la terrasse pendant que les autres sont en train de suivre le live au salon. L'onction de Dieu va le chercher à la terrasse. Je dis que l'onction de Dieu cherche son propriétaire. Il y a une personne qui devrait aller en boîte de nuit certainement à cause de ce que l'onction a été relâchée. Il se décourage du chemin de la boîte de nuit. Il se décourage du chemin de Damas. Il fait demi-tour. Il fait demi-tour. Ce soir, les sauts des tasses seront changés en Paul. Ce soir, les Abraham seront changés en Abraham. Ce soir, les Rofakaya, les Jacob seront changés en Israël. Ce soir, les fils des charpentiers seront changés en Messie. Ce soir, il y aura de la transformation et de la visitation. Les Gédéons seront transformés en vaillants héros. L'onction de transformation, l'onction qui touche, elle brûle maintenant sur ta tête. Elle n'est pas sensationnelle, mais plutôt onctionnelle. Elle te touche, elle te change, elle te transforme. Reçois-la, car c'est la Shekinah de Dieu. Les rabababa, Shekinah mamos, merodododobosa. Dans cette atmosphère, je demande aux anges qui sont relâchés ici de mettre de l'argent dans vos comptes. Mettre l'argent dans vos comptes RTL Monnaie. Il y a des comptes RTL Monnaie. Oh yo 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 bobo sekaya. Il y a des comptes RTL Monnaie qui vont commencer à se remplir ceux. Est-ce que vous savez que l'onction n'a pas de fin? Non, l'onction n'a pas de fin. Il n'y a qu'un corps fatigué qui peut stopper une onction. Mais sinon, l'onction c'est comme une huile. Une huile qui n'a ni commencement ni fin. Une huile infinissable qui ne fait que couler jusqu'à ce que les récipients débordent. Et l'onction de Dieu a décidé de couler ce soir dans le récipient que tu es, dans le vase que tu es. Elle coule ce soir dans ta maison. Elle coule ce soir même dans tes poches. Et lorsqu'elle coule, elle ne vient pas seulement pour guérir. Elle ne vient pas seulement pour les conversions. Elle ne vient pas seulement pour les parler en langue. Elle vient aussi faire des prodiges. À l'instar de Jésus qui envoya Pierre, elle lui dit, va, pêche le poisson et tu prendras un statère. Un statère qui est égal à 4 drachmes.
de la monnaie juive ancienne. Va, pêche le poisson, prends le stater qui est dans son ventre et va payer notre dette. Je prie au nom de Jésus, qu'à cause de l'onction de Jésus, ce soir, il y aura des statères dans les sacs, il y aura des statères dans les poches, il y aura des statères dans les compteurs telle monnaie, il y aura des statères dans les oranges monnaie, il y aura des statères dans ta carte prépayée, dans ton compte d'épargne, dans ton compte bancaire. Reçois le statère ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te communique l'onction des finances. Reçois au nom de Jésus, prophète sacrificateur. Reçois, toi là où tu es, et ton assemblée, recevez au nom de Jésus. Il y a une onction qui visite les maisons. Oh my God, là où je suis, là où je suis, je sens l'odeur d'un parfum. L'odeur d'un parfum. Il y a un parfum d'une odeur suave qui frappe à mes oreilles. Et je suis en train de voir, pendant que je parle, qu'il y a des maisons, il y a des maisons dans lesquelles se répandent des odeurs, des odeurs, des odeurs. Ces maisons-là sont dérangées. Ce sont les anges. Ne vous inquiétez pas. Les portables vont commencer à sonner. Les crédits vont commencer à rentrer dans les portables. Ne soyez pas étonnés. Je vois même l'onction là. Et oh, mon chakana. L'huile va commencer à couler physiquement seul sur vos mains. L'huile va commencer à couler. Mais l'huile là prendra la forme d'un sang. Prendra la couleur du sang. Prendra le rouge du sang. Et je suis en train de voir. C'est en train de couler sur des mains. Ça coule sur des mains. Ça coule sur des mains. Ça coule sur des mains. Pendant que je parle, ça coule sur des mains. C'est le signe et la présence de Jésus. Je reprends. C'est le signe et la présence de Jésus. L'huile qui coule sur les mains, le sang qui coule sur les mains, qui coule sur le front, sans avoir en fauté. C'est la présence de Dieu. C'est la présence du Saint-Esprit. Reçois au nom de Jésus. Qu'elle coule maintenant cette huile. Qu'elle coule maintenant cette huile. Qu'il coule maintenant le sang de Jésus. Manda sikaya. Mekonani jekea. Prevaja. Wana asando. Abena rasekamos. Chisquaba, en chen kan kan Clinton, Hadiaras, Wina kino shekan tekino rosia, Wain kenonizo breva kino sekaina, Wena ki josian teke de rosia, Membro fekindo sekaina nosha, Wera kino mana momosa. Il y a déjà des témoignages, il y a déjà des témoignages. Quelle atmosphère! Je suis en train de voir, il y a des personnes qui avaient des cancers dans les seins. Des personnes qui avaient des cancers, des personnes qui avaient des kystes. Les kystes viennent d'être percés. Je vois des cancers, des boules disparaître. Des gens qui avaient des boules partout dans le corps. Je vois cela disparaître. Et je te donne maintenant de témoigner la grandeur, la force et la puissance de Dieu. Tu peux maintenant témoigner là où tu es. Tu peux maintenant témoigner là où tu es. Tu as un témoignage. Appelle rapidement sur ce numéro. Le 062 11 01 19. Appelle maintenant. Tu reconnais que Dieu vient de faire quelque chose. Il y a eu quelque chose dans ton compte Airtel Monnaie. Tu as reçu un plus. Tu as vérifié ton compte Airtel Monnaie. Il y a eu un miracle monnaie. Quelque chose d'extraordinaire vient de se passer. Ton crédit a shifté. Tu viens de recevoir un mail de ta banque qui vient de t'octroyer un crédit, qui vient de t'octroyer un pourcentage sur un marché. Tu peux maintenant appeler sur le 062 11 01 19 062 11 01 19. Si vous êtes en étranger, appelez sur le plus 241 062 11 01 19. Pendant que vous appelez, que la grâce de Dieu soit votre partage dans le nom de Jésus. Merci. Que la grâce de Dieu soit votre partage dans le nom de Jésus. Qui a reçu la visitation de Dieu? Mérovage. Les kédoches. Les reparlaliches. Qui a reçu la visitation de Dieu? Manda sikai. Tu peux maintenant appeler. Mérovakish. Waouh, ce portable-là s'est éteint ou quoi? Michael, pendant que j'ai prié, tu as expérimenté la présence de Dieu. Tu as expérimenté le toucher de Dieu. Rends ton témoignage. L'huile coule sur mon ministère. Où tu as vu l'huile couler physiquement sur ta main. Le sang couler physiquement sur ta main. Tu peux maintenant appeler. Sors complètement, s'il te plaît.
Ok, tu peux maintenant appeler. Tu peux maintenant appeler. Mando sepre kadish. Lurakata li hodosh. Merofakidos. Enjakinonas. Merofakai. Lerofas. Je vais prendre rapidement 5 témoignages. 5 témoignages. Partageons le live. Partageons le live. 5 témoignages. 5 témoignages. 5 témoignages. Après, je vais vous demander soit de boire de l'eau ou d'utiliser l'huile. Mais je vais prendre 5 témoignages. Il y a des appels? 5 témoignages. Merci. Je vais prendre 5 témoignages. Voilà, je réponds. Rien que 5 témoignages. 5 témoignages des personnes qui ont expérimenté le toucher de Dieu à distance. Si ce numéro ne passe pas, donnez-moi le deuxième numéro. L'Erofakadish. 5 témoignages. 062 11 01 19. Deuxième numéro. Donne-moi ton numéro, ton portable. Vas-y. L'Erofakidovos. Deuxième numéro, allez-y. 060 05 80 82 63 060 05 82 63 060 05 82 63 060 05 82 63 et 062 11 01 19 pour toutes les personnes qui veulent maintenant témoigner à cet instant. Vous avez été visité maintenant dans votre maison. Quelque chose d'étrange s'est produit. Appelez maintenant sur les numéros que nous vous avons donnés et nous allons écouter votre témoignage. Waouh. Problème de connexion. Ok, si tout passe bien. Ok, nous allons prendre rapidement les appels. Il n'y a pas de problème. Petit problème d'électricité de notre côté. Allô, shalom. Allô. Shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom, papa. Shalom. Madame Aloïse Moulon. Ok, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? J'ai entendu, j'avais un bruit vraiment fort dans les oreilles. Vraiment, le bruit était très fort dans les oreilles. Ça a pris en gros 15 secondes comme ça là. Le bruit était très fort dans les oreilles. C'est ce que vous avez reçu? Oui, papa. Que Dieu vous bénisse, merci. Shalom. Oui. Gloire à Dieu. Tu as expérimenté aussi quelque chose. L'huile a coulé. Tu as reçu un miracle, mon âme, maintenant. Une guérison authentique là où tu es. Deux numéros ont été donnés pour que vous appelez afin de témoigner la grandeur de Dieu, l'honneur de Dieu, de ce qui vient de se passer. Premièrement, le 02. Le 02 11 01 19 et le 060 05 82 63. Il y a plusieurs appels qui viennent ici et qui coupent. Ok, vous pouvez aussi appeler comme ces personnes-là pour rendre votre témoignage. Et pendant que vous appelez, je vais tout simplement vous faire part du grand programme qui arrive au niveau de Mwanda. Un numéro ici a été épinglé. Gloire à Dieu. Le 062 066 72 18 11 pour toutes les personnes qui sont à Mwanda, le prophète arrive. Et si vous voulez maintenant témoigner, il y a un numéro qui vient d'être épinglé ici. Faites tout maintenant pour appeler sur ces numéros. Le 060 05 82 63 et le 062 11. C'est plutôt 062 11 01 19. Merci de rectifier. 062 11 01 19. Donc, vous pouvez appeler. Oh, il y a plusieurs appels ici, mais ça interrompt à cause du réseau. Donc, certainement, nous allons prendre d'autres appels.
et d'autres témoignages. Nous ne prenons pas les messages, nous prenons rien que les appels. Gloire à Dieu. Témoignage. Voilà, voici les bons numéros viennent d'être épinglés ici. Tu as ton témoignage. Jésus t'a restauré. Il a fait des grandes choses dans ta vie. Tu veux maintenant témoigner durant ce temps de prière. Tu peux appeler sur les deux numéros qui sont épinglés ici. Le 060 05 82 63 ou le 062 11 01 19. Pour toutes les personnes qui sont à l'étranger, l'adresse c'est plus 241. Alors, pendant que nous recevons vos appels, je vais tout simplement faire part du programme de Mwanda. Vous êtes à Mwanda, vous avez des parents à Mwanda. N'oubliez pas de nous contacter sur ces différents numéros que je cite ici. Premièrement, il y a le 066 72 18 11 à la fin. 066 72 18. Oh my God, il y a des appels qui coupent ici, je ne comprends pas. Zéro. Ok, je vais prendre un appel. Allô, 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 shalom. Allô? Allô, que Dieu vous bénisse. Votre témoignage, s'il vous plaît. Allô? Allô, nous vous recevons. Vous appelez pour témoigner? Oui, j'appelle pour témoigner. Ok, allez-y, parlez plus fort. Nous vous recevons 5 sur 5. Donnez votre témoignage. Moi, je suis mademoiselle Donna Kumba. Ok. Live en direct dans la chambre. Donc, pendant que vous avez passé le message, ma soeur et moi, on sentait une bouffée de chaleur. On a commencé à transpirer à grosses gouttes, Et on a senti comme une libération. Ok. Donc, vous avez reçu une visitation particulière chez vous et vous témoignez pour rendre gloire à Dieu. Oui. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes dans votre maison au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Voilà, ça c'est des personnes qui ont reçu des visitations. Mais s'il y a d'autres personnes qui ont reçu encore des témoignages, il n'y a pas de petits ou de grands témoignages. Mais l'huile a coulé dans vos maisons. Vous avez reçu des guérisons, des boules ont disparu. D'autres se sont même mis à saigner. Il ne faut pas avoir honte, les numéros sont là. Vous pouvez appeler pour rendre témoignage à Dieu. Les deux numéros ont été épinglés. Les lignes sont saturées, c'est pourquoi les appels coupent ici. Le 060 05 82 63, nous allons prendre votre appel. Et le 062 11 01 19, si une ligne est saturée, vous pourrez appeler sur une autre deuxième ligne. Donc, pour ceux qui sont à Mwanda, vous avez des parents à Mwanda, voici les numéros ont été épinglés ici. My God. Voilà. Je vois ici des personnes qui disent qu'ils ont reçu des témoignages des miracles monnaie en commentaire. Donc, si vous pouvez témoigner, il faut appeler rapidement. On va juste prendre trois derniers témoignages. Donc, pour ceux qui sont à Mwanda, il y a un numéro qui est ici. C'est le 066 72 18 11 à la fin. Le 066 72 18 11 à la fin. Vous appellerez pour donner votre témoignage. Oh my God! Vous appellerez pour donner votre témoignage. Et plutôt, vous appellerez pour Mwanda. C'est pour le numéro que j'ai donné, excusez-moi. Je vais prendre un appel. Allô, 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 shalom. Shalom, prophète. Que Dieu vous bénisse énormément. Si vous me permettez, parce que je n'ai pas eu le temps de témoigner mardi. Si vous me permettez. Vous n'avez qu'une minute, s'il vous plaît. Allez plus vite, s'il vous plaît. Ok. Mardi, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Ok. Oui. Vous m'avez localisé Sosten Pambou. Oui, je vois. Pasteur Sosten Pambou. Très bien. Vous avez dit, Dieu est en train de vous parler de quelque chose qui arrive chez vous. Vous avez donné le prénom de ma femme, mon épouse, légitime, Muriel. Oui. Vous avez donné son nom, Benga. Vous avez dit, elle est liée à un Pambou. Dieu vous a montré un complot qui s'est passé dans son village, à Libamba. Vous avez donné le nom. C'est. Nous avons pleuré, nous avons prié. Et vous avez également annulé cela. Dieu soit glorifié. Et avant le mardi, le lundi soir, j'ai eu un rêve où vous êtes venu, vous m'avez appuyé les yeux.
Et dans l'oreille, vous m'avez donné certaines paroles. Et lorsque je vous ai appelé, lorsque vous m'avez localisé, vous m'avez donné exactement les paroles que vous avez prononcées dans l'oreille. Waouh. Que Dieu vous bénisse. C'est incroyable, c'est choquant la façon dont Dieu peut donner des détails avec des précisions, des noms. Et c'est pas la première fois. La première fois, c'était pendant le confinement. Vous avez confisé sur moi en tant qu'homme de Dieu. J'ai une église à Oungou. Vous avez donné le quartier. Oui. L'église est informée de tout ça. Ce matin, j'ai encore témoigné de ce qui s'est passé le mardi. J'ai mis l'enregistrement et nous avons béni le Seigneur. Tout notre culte était la louange aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé. Waouh. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège là où vous êtes. Portez-vous bien. Shalom. Shalom. Ok, bienvenue dans le Seigneur. On ne prendra pas assez de temps. Les lignes ont été ouvertes. Certainement, vous avez appelé et puis les lignes sont saturées. Vous pourrez toutefois envoyer des messages pour vos témoignages. Que le Seigneur vous bénisse. Tous les détails ont été donnés ici. Pour toutes les personnes qui nous suivent depuis Mwanda, faites tout maintenant. Je réponds bien. Faites tout pour envoyer un message WhatsApp au numéro de Nikes qui est donné ici. Vous avez des parents à Mwanda, vous avez des parents à Franceville, à Bakumba, même les gens de Mounana doivent venir témoigner la grande, doivent venir pour ce programme de réception. Donc au 066 72 18 et 11 à la fin, je demande à ma secrétaire virtuelle Fafi Monjo de m'épingler ce numéro ici. Gloire à Dieu. Le 066 72 18 11 à la fin. Et je promets à toutes les personnes qui sont au niveau de la France, à toutes mes filles et mes fils au niveau de la France, que j'arrive en France dans peu de temps. Je viens faire une surprise en France. Donc, je vous donnerai le numéro bientôt pour toutes les personnes qui veulent se faire enregistrer pour me recevoir en France. Le prophète arrive en Beng. Aïe, aïe, aïe. Mais ça coupe les appels, là, c'est pas possible. Je répète. Le prophète arrive en Beng. Vous tous qui êtes en France là, c'est l'occasion. Donc voilà, je vais vous donner le numéro. Je termine d'abord avec le programme de Mwanda et je viendrai sur vous dans peu de temps. Donc vous êtes à Mwanda, faites tout pour vous enregistrer au 66, 72, 18, 11 à la fin. Et pendant que vous vous enregistrez, croyez-moi, Dieu parlera à votre vie et puis... Vous-même, vous connaissez déjà, on ne doit pas revenir sur ces choses. Dieu parlera et il fera des grandes choses dans votre vie, des choses extraordinaires. Voilà, les gens de Mbeng sont là. Mbeng, j'arrive chez vous. Préparez-vous, on va venir installer là-bas quelque chose de grand et de fort, de puissant. Non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Madame Mamoudi M, j'arrive chez vous. Je viens dans vos origines. Je viens à Mbeng. Et nous allons... célébrer le Seigneur ensemble, Madame Marcel Dilita, Maggie Akomo, dans quelle ville? Attends, vous aussi, un Gabonais qui vient la première fois en Beng, il va aller où? C'est pas à Paris. J'arrive en Beng, à Paris, ou plus précisément, je serai logé en bas de la Tour Eiffel, là. C'est là où je serai, par la grâce de Dieu, je viendrai vous recevoir parce que je suis tellement suivi par des personnes qui sont en France, même que des personnes qui sont au Gabon. Je suis plus suivi en étranger que sur le plan national. Sauf quand je passe à la télé, c'est là où on me suit ici. Mais sur les médias là, c'est plus les gens qui sont en France, un peu partout. Donc j'arrive chez vous et puis Dieu va vous visiter. Des grandes choses se préparent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On vous attend en France. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gabonais, l'autre a écrit on vous attend, l'autre a écrit on vous entend. Finalement, c'est entendre et attendre ou c'est entendre et la compréhension humaine. On vous attend, prophète. Ok, gloire à Dieu, merci. Donc, si vous avez des parents en France, Rachid la brebis, je suis en train d'arriver chez vous. Ça va arriver. L'ebro fakano seka inamosa. Il faut dire que j'arrive pour coloniser là-bas avec l'évangile. On va coloniser, on va galvaniser et ça va être grave. Daddy, oh, mon passeport est encore valable. Ah, ma fille, toi, ton passeport là, c'est juste... C'est juste dans le troisième arrondissement. Hein? Ça, c'est quartier Mamadou, quartier Mangungu, ça tourne là. Or que moi, mon passeport, c'est un passeport diplomatique. Voilà, qui va me permettre d'aller partout. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, c'était la surprise pour des personnes qui sont voilà, au niveau de Paris. Et je crois que vous serez bénis.
Mais je crois quand même qu'avant d'arriver à Paris, je ferai un tour au niveau du Sénégal. Parce que l'Esprit de Dieu m'a orienté vers le Sénégal là-bas. Il m'a orienté, je dois faire un tour au niveau du Sénégal. Voilà, c'est dans mes plannings, mais les dates ne sont pas encore calées. Je ferai un tour au niveau du Sénégal. Je fuis même le Gabon pour 4 mois. Vraiment, les gens qui aiment me chercher là ne doivent plus me voir. Pendant 4 mois, je fuis le Gabon. Et puis par la grâce de Dieu, ça va aller. Gloire à Dieu. Donc, vous avez le numéro de la personne qui vous enregistrera pour la réception à Mwanda, ville du Gabon. Si vous avez des parents qui sont à Mounana, Bakumba, Franceville, veuillez leur donner ce numéro 66 72 18 11 à la fin. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très belle nuit dans la présence de Dieu. Et n'oubliez surtout pas, pour des personnes qui ont été bloquées sur notre page, des personnes qui ont été désabonnées, cela a été fait en dépit de notre volonté parce que il y a un groupe de personnes qui a piraté notre compte. Ils ont piraté le compte de l'église. Ce groupe-là a piraté le compte de l'église. Je vous montre la preuve. Il y a des personnes très mal intentionnées. Donc, ils ont réduit certaines personnes ici. Il y a des personnes qui n'arrivent plus à commenter. Parfois, vous commentez, c'est bloqué. Vous n'arrivez plus à commenter. Ce n'est pas nous. Ne pensez pas que c'est nous qui bloquons vos commentaires. C'est juste ces personnes-là qui sont allées faire des fausses manœuvres sur notre page. Vous voyez, ils voulaient carrément bloquer la page comme ils ont bloqué la page de Wendala Mater. Ils ont bloqué la page de Wendala Mater. Donc, ils voulaient aussi bloquer la nôtre. Vous voyez, ce sont ces personnes-là. Ali Raza, Ajmal, Vic, Ouf, Kohan. Vous voyez, ce sont ces personnes-là qui sont allées. Donc, ils étaient déjà même placés comme des administrateurs dans notre page. Ils étaient déjà devenus administrateurs de la page. Donc, ils ont bloqué les pages de partout. Bloqué des pages de partout. Mais par la grâce de Dieu, avec les techniciens que nous avons, ils ont pu remédier à ce problème. Et nous bénissons le Seigneur pour la grâce, pour vraiment l'honneur que Dieu nous accorde en déployant son intelligence sur les fils qui sont avec nous, qui nous aident sur la technique. Et bien aimé dans le Seigneur, donc, voici ici les preuves des personnes qui sont mal intentionnées. Voilà. Ils sont mal intentionnés. Vraiment, c'est de la jalousie. Et pourtant, le travail qu'on fait là, Facebook ne nous paye pas. Facebook ne paye jamais nos vues. Mais c'est des personnes qui rentrent dans les pages pour chercher à nuire, pour chercher à détruire le travail du Seigneur que nous faisons. Mais gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu nous aide toujours. Dieu est avec nous. Dieu ne nous a pas abandonnés. Allô, allô, shalom. Vous appelez pour un témoignage? Ok, nous recevons votre témoignage demain parce que l'heure est déjà passée. Que Dieu vous bénisse, shalom. Ok, gloire à Dieu dans le Seigneur. Donc, allez-y, si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y vous abonner, vous réabonner, appuyez sur la notification, d'aimer la page et ça va nous aider. Vous recevrez les notifications à chaque fois que nous serons en direct. Et faites attention parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de usurper mon identité sur Facebook. Ces personnes-là, à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Mais qu'elles n'ignorent pas que la justice aussi doit faire son travail. Hein. Donc, toi, tu es à ONG là, avec un petit ordinateur, tu fais des manœuvres, on te connaît, c'est toi qui bloques la page du prophète. Donc, vraiment, priez pour eux, pour que le Seigneur les pardonne, parce que ce sont des démons qui les animent, les démons de l'Internet, les démons... voilà, des démons de Zoom, les démons de lasers, vraiment, qui sont déjà dans leur cerveau pour les embêter et les pousser à faire ce genre de manœuvres. Sur ce, je vous donne rendez-vous demain et j'espère vous voir très nombreux pour notre première plénière des prières qui se passera à 15h. L'évangéliste Wad, prophète Marcus, ils seront avec nous pour des temps de prières. Nous allons intercéder et le soir, nous reviendrons. Certainement par la grâce de Dieu, je serai là. Et si je ne suis pas là, voilà, si je ne suis pas là, certainement, vous allez voir la présence des autres serviteurs ici. Vous allez même voir que le prophète Emmanuel Sacrificateur a aussi perdu sa page. Ils ont volé sa page, il n'a plus accès à sa page et ils sont en train de publier de n'importe quoi là-bas. Donc, certainement, il mettra une nouvelle page dans peu de temps et nous restons en prière. Mon fils, il ne faut pas être triste. C'est des preuves qui montrent que les lions sont dans le territoire. Vous savez, nous sommes des lions et ils ont une nature contraire à la nôtre. Les ténèbres et la lumière ne cohabitent pas ensemble. Donc, ce sont des grands signes qui montrent que nous avons le Seigneur Jésus et que nous faisons l'œuvre du Seigneur.
Donc, restons seulement zen, restons sages, ne répondons pas aux attaques sur Facebook, ne répondons pas aux attaques de ces personnes, car ils utiliseront toutes les voies pour nous mettre en tort. Faites attention aux commentaires, faites attention à vos propos, restez juste sages, restez juste dans la crainte du Seigneur, afin que nous puissions toujours témoigner du Dieu que nous servons, du Dieu qui est en nous, ce Dieu qui nous a changés. Donc, bien-aimés, restons sages. L'huile que vous avez, c'est pour frotter. L'eau que vous avez, c'est pour boire. Si vous avez des maladies, quelconque qui vous a été déclaré à l'hôpital. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir dans peu de temps. Et merci pour la présence de tout le monde. Shalom. À demain.